Bon, et bonjour, bonsoir, bonjour, quel que soit Cotoyé, en Europe, bonsoir, quel que soit Cotoyé, en Asie, quel que soit Cotoyé, bonsoir, bonjour. Et je dis à la... Hey everybody, I'm Jonathan from Omaze and we want to hook you up with a Bentley. That's right, to support a great cause. Je dis à m'bal monter niveau à. M'bal monter niveau à pour nous. M'bal monter niveau à pour nous. Oui, il y a un pile dans nous qui pensait que c'est aussi simple. Peut-être, on va comprendre en quelque sorte. Et on va comprendre difficultés parfois que nous rencontrons. Pour nous arriver à mettre valeur et appréciation sur la qualité du travail que nous faisons. Un homme, et cela se comprend. Et cela se comprend. Et surtout par rapport, bien entendu, avec la méthode que j'employais. Maintenant, il faut comprendre que genre de situation, ça le plus souvent, il est laissé à équivoque compte tenu du fait que et pas tout le monde qui gagne même degré ni niveau de connaissance. Et par rapport à votre niveau de connaissance, chaque connaissance et chaque domaine de savoir lui ouvre conscience ou à une autre dimension. Et le langage que m'essayer utiliser, m'essayer break down pour me descendre, break down pour nous comprendre en quelque sorte. Ceci étant dit, on pas besoin d'un expert ou on pas besoin d'un PhD ou d'un doctorat, mais m'a essayé conseiller de concepts très techniques et complexes pour me descendre, pour me break down, pour me faire comprendre la réalité pas. Et puis pour dans qui mesure tu es capable d'appliquer yo dans vécu ou, et puis pour chercher sens avec réalité, vie pas, votre vécu. Mais maintenant, il n'est pas aussi évident, c'est ça que j'aime toujours accompagner, lui, bien entendu, de quelques histoires. Et qu'on lui essayait tout, garder dans qui mesure, m'était capable d'accompagner, yo, de quelques expériences. Et, parfois m'utiliser des méthodes, une méthode parfois sarcastique, ironique, pour me capable faire message à passer de façon à ce que pour me stimuler l'esprit nous, pour me permettre que nous arriver à une dimension qui est capable bien entendu permettre nous passer un moment tout à fait agréable, non seulement indépendamment de circonstances que nous là dedans, mais pour nous capable rapprocher lui en quelque sorte. Ceci étant dit que Il faut au moins une certaine connaissance approfondie du sujet. Quand je dis le sujet, on va parler de sujet dans le sens que le sujet yo boy écrit ou bien un sujet de dissertation, je parle de la personne, c'est-à-dire la personne en tant que sujet conscient. La personne en tant que sujet conscient et sa constitution et les différentes composantes niveau psychique et les éléments qui constituent psychique nous a pensé li comment mind li fonctionner vous ceci étant dit il n'est pas aussi évident pour tout le monde vraiment cerner dynamique là maintenant pour qui raison je dis ça parce que l'environnement en quelque sorte il joue un rôle déterminant dans la constitution du sujet et le plus souvent nous pas vraiment prêter attention avec Barajao. Il y a des vécus, il y a des chocs émotionnels et sensationnels
et psychique qu'on vécu depuis dans enfance ou et l'a monté, OK, l'a grandi en quelque sorte choc ça yo y a des impacts, yo créé des troubles et des impacts à la dans la vie à long terme, c'est-à-dire dans la durée, et yo affecté en quelque sorte constitution et personnalité ou en tant que personne. Donc il doit arriver non point que ou venir vivre dans dimension où on perdu ça ou les self-esteem, parce que si environnement élevé là dedans yo était tellement te kon saccagé ou dénigré ou crasé ou reprendre ou pas de gain repère ou pas de gain on assise ou pas de gain rock pour te chita sous li pour appuyer pour les gros vents ça ou gros humiliation déception gros attaque qui te kon rivé sous ou gros traite mauvais traitement te kon joine. So basically li empêché en quelque sorte li affecté développement et en quelque sorte personnalité ou gen doit arriver ou nous moun ou son moun qui est introverti ou vient ou li vient mettre dans situation ou paix avancer dans monde là ou paix attaquer des défis ou paix et affirmer ou trouve dans situation extrêmement difficile. Et d'autre part soulever nos environnement et qui favorable yon environnement qui construit de façon à favoriser développement personnel ou capable de dire en quelque sorte que ou beaucoup plus équipé, c'est-à-dire ou beaucoup plus équipé pour capable affronter le monde extérieur, pour capable affronter l'environnement, les obstacles qu'a présenté surtout, ou beaucoup plus solide sur le plan moral, mental, reprendre et spirituel. Ceci étant dit, mes chers amis, il faut comprendre que il s'agit de la constitution du sujet, de la construction de la personnalité et en quelque sorte du processus lui-même de formation de la personne humaine. Ceci étant dit, il est très très important pour nous prêter attention avec ça. Ces éléments, yo fondamental. Maintenant, dans la dynamique que j'ai besoin d'entrer, il y a ce qu'on appelle le sujet collectif. Par exemple, de même qu'il y a le sujet individuel et personnel, il y a le sujet collectif. Par exemple, quand on dit « je suis », ah bien sûr, ça c'est, il s'agit du sujet. Par exemple, Descartes, le cogito ergo sum, Descartes dit « je pense, donc je suis ». Si je pense, bien entendu, c'est l'existence, dit « oui, bien sûr que c'est un idéalisme cartésien. Bien sûr, il fait référence au mécanisme spirituel et mental qui vous permet à ce que l'I définit l'existence l'I par rapport avec le monde physique tel que le concept. C'est même processus, c'est même un début de dynamique phénoménologique au niveau de la pensée, au niveau du psychique, en quelque sorte. Maintenant, si vous prenez dynamique ça, vous mettez-le au niveau collectif, ou dit nous pensons. Si nous posons ça comme postulat de départ, nous dit nous pensons, donc nous existons. Maintenant, ceci est tout à fait intéressant. Ce sujet collectif dont il est question, lui affirmer en quelque sorte un élément fondamental d'un processus qui pourrait lui permettre d'exister en tant que peuple, en tant que nation. Et ceci est fondamental. Et ceci est fondamental pour nous comprendre la dynamique que nous inscrit tête noire. C'est-à-dire que de la constitution même, pour constituer une nation en tant que telle, pour constituer un peuple, une identité collective, une conscience collective, et même pour inscrire nos dynamiques historiques au point que pour parler de histoire, conscience historique, histoire collective, l'important, bien entendu, pour nous comprendre processus sa dynamique, là, ce processus de formation de l'identité nationale, ce processus de formation de notre personnalité en tant qu'haïtien. Ceci est tellement important, il faut à tout prix définir, bien entendu, les limites. Et ceci, c'est ça que j'ai fait avec étudiant mieux, en quelque sorte, pour nous comprendre. Et haïtien doit se définir. Haïtien, l'haïtien doit se définir en quelque sorte. Oui, il y a un problème quelque part parce que j'ai dit l'haïtien, mais les problématiques pour qui raison? Parce que si me dit l'haïtien doit se définir,
En quelque sorte, c'est que l'haïtien pour qu'on définir. Oh, si l'haïtien pour qu'on définir, comment me faire dire l'haïtien? Là, il y a un petit problématique. Maintenant, si me dit comme ça que l'haïtien doit se redéfinir, là, en quel, là, c'est-à-dire, il faut que l'haïtien commence par secouer, ou enfin, faire bouger les paramètres, bouger les limites, pour le capable de redéfinir par rapport à deux, et à d'autres éléments environnement. Maintenant, les pambagas qui sont aussi faciles, comprenez bien ce que je dis là, parce que cette connaissance que m'a essayé de transmettre là, je dis là, ce champ de savoir, lit multidimensionnel, lit complexe, c'est là, il faut au moins une certaine idée de la philosophie de la complexité en matière épistémologique, de la mesure où le champ dans lequel que m'a évolué là, il fait appel à un ensemble d'éléments de différents domaines, surtout en sciences humaines et sociales. Ceci étant dit que tous ces éléments que ou pour constituer dynamique ça, et surtout par rapport avec approche globale que m'a fait là, il est important pour nous comprendre que tous ces éléments que m'a puisé dans les différentes disciplines, dans les différents domaines, pour m'inscrire dans une démarche qui consiste à mettre en évidence ces outillages conceptuels ça pour nous capables bâtir, construire identité collective ça pour nous redéfinir par rapport avec ce que les autres, l'environnement et les autres, l'est fondamental et ceci est fondamental de la mesure où l'y revêtit ce qu'on appelle une méthode tout à fait extraordinaire qu'on appelle et méthode que moi l'utiliser je dis c'est la phénoménologie comme méthode d'approche, comme méthode d'investigation, comme méthode qui vous permet nous bien entendu saisir dimension et rôle et primauté conscience collectivement gagné dans dynamique pour nous capables appréhender notre vécu et donner du sens à notre vécu et à partir de là essayer inscrire nos dynamiques existentialistes pour nous reconstruire notre existence et imposer notre existence sur la scène mondiale et locale. Peut-être que ça m'a dit là des gens qui peuvent initier à une série de notions. Langage que nous gagnons, il a fait peur. Dans la mesure où, ensemble de langages que m'a utilisé, là, les mots que m'a utilisé le plus souvent, ils sont capables, ils ont une dimension technique. M'a parlé de existentialisme, m'a parlé de phénoménologie, m'a parlé de conscience, m'a parlé de personnalité, construction, processus, développement de la personnalité, ceci est, et conscience collective. On prend ceci. Tout bagage ça yo faut au moins ou t'es gagné une certaine ou t'es déjà imbibé ou bien versé dans des disciplines sociales ou humaines pour capable bien entendu gon idée de ça m'a dit. Mais cependant moi inscrit de façon claire pour nous capable comprendre dynamique que m'a posé à là et m'a avancé dans démarche là. Tout d'abord, au niveau micro, c'est seul sujet qui a raconté vécu. Alors, ce que je dis là, il est tout à fait extraordinaire pour pile monde qui pas fini comprendre et essayer comprendre ça veut dire. Au niveau micro, face aux autres et à l'environnement, le lien qui permet que sujet a en quelque sorte expérimenté la ville, c'est à partir de la conscience. Mais il faut comprendre que problème non, son problème fondamental pour qui raison, c'est parce que vécu individu, ça, c'est celle lui-même qui vivent lui. Ça me le dit, voilà. La difficile, pour yon moun,
raconte yo expérience pour vraiment ou même captant des expériences là saisi sens et signification expérience mon ap raconte. Ceci étant dit, si on moun traverse un moment de douleur, un moment de deuil, un moment de maladie, de souffrance, c'est normal. Ces moments vécus, en quelque sorte, qui affectent. Alors, faut comprendre bien, l'OAPC, il porte une analyse. Il y a trois mots grecs pour toujours faire appel avec eux pour comprendre, en quelque sorte, structuration de la personne, en quelque sorte, oui. Vous avez d'un côté le logos, qui le plus souvent, où est logos, où est logique, où est la raison, où est le bon sens. Et puis, il y a d'un autre côté, le pathos. Vous avez le pathos de notre côté. Le pathos, c'est le côté affectif. C'est le côté affectif, c'est-à-dire les émotions, les sentiments. Ouais, ça, c'est le pathos. Nous pas comprendre pour quelle raison il y a le pathos. Le pathos, dans le grec, là, en quelque sorte, c'est pour une pathologie. Mais il y a des maladies, en quelque sorte, qui se développent par rapport à des troubles mentaux dans la constitution et la formation de la personne. Ceci étant dit que maintenant, ils ont utilisé Moussa pour décrire des réalités psychiques, en quelque sorte, côté que Mouna senti que l'y affecté par une série de, c'est les fondamentales pour nous comprendre ça. Mais gagnons l'autre élément qui est très fondamental pour nous comprendre. En dehors de ça, c'est pas seulement le pathos, le logos, mais aussi, il y a le théos. Le théos, il est fondamental parce que le théos, c'est lui-même qui, en quelque sorte, représenter ce qu'on appelle l'être suprême. L'être suprême dans le sens que, vous êtes capable de dire, c'est Dieu hein, qui permet ou définit un sens à l'existence. C'est-à-dire, qui permet ou répondre à des questions existentielles qui est capable ou qu'à confronter dans la vie, par exemple, pour qu'il raison souffrance, pour qu'il raison maladie, à des vécus. C'est-à-dire, le problème des vécus humains, en quelque sorte, ce sont des problèmes qui nécessitent des réponses, des explications, des justifications. Maintenant, pour répondre avec question vécu ça yo, pour qui raison la vie misérable, pour qui raison m'a souffri comme ça, pour qui raison la vie tête en bas, pour qui raison bagay yo pas marcher pour moi, pour qui c'est moi ça arrivé, pour qui raison c'est moi malade, pour qui c'est moi c'est qui dans misère et beaucoup arrivé sur ethos là. M'a quitté ethos là l'autre bord parce que ethos là li plus lié avec l'action humaine. Maintenant, m'a chercher question sens. M'a chercher question vécu sens là. Beaucoup arrivé dans ethos non plus rité dans trois saillot en quelque sorte le théos en fait qui fait référence avec un cadre métaphysique qu'on doit chercher sens racine métaphysique pour capable aborder les problèmes existentiels et puis vous avez le logos qui en quelque sorte fait référence à la métaphysique rationnelle pour capable essayer penser réfléchir sur les sur la réalité et sur la réalité humaine, sur l'activité humaine, le vécu humain. Et puis, vous avez de notre côté le pathos qui, en quelque sorte, affecté, en quelque sorte, par ce qu'on appelle l'environnement et les autres sur le plan affectif et émotionnel. C'est important. Maintenant, la raison pour laquelle que je viens avec ethos, parce que je ne suis pas vraiment entré dans la dynamique pour me détacher l'ethos de théos là. En quelque sorte, l'éthos là, en quelque sorte, soit soumettez théos là, ou déjà enraciné éthos là, dans dynamique théos là, qui régit l'action humaine, c'est-à-dire la principale source de toute éthique, de toute valeur morale et éthique. C'est en quelque sorte, en laisse que, ou entrer dans démarche beaucoup plus philosophique, et on va chercher bien sûr l'origine des idées abstraites dans ce qu'on appelle le matérialisme ou bien ou inscrire plutôt nos démarches spiritualistes pour expliquer l'avènement des idées abstraites telles que l'amour, beauté, et l'amour, beauté, vrai, vérité, justice, toutes ces idées abstraites en quelque sorte, yo doit joindre originaux, yo doit joindre généalogie,
soit bien entendu une démarche matérialiste qui vise à mettre la matière au centre, au centre, donne priorité à la matière, mettre et la matière au centre de la pensée humaine comme source fondamentale de toute pensée abstraite, ou bien idée abstraite, ou bien on mettait au centre, on mettait l'esprit au centre de la de la pensée humaine comme source principale, bien entendu, de toute idée abstraite. Et li fondamental, oui, pour nous comprendre le phénomène ça, parce que yon nan bagay qui est important pour nous cerner, c'est que indépendamment de approche ou prend, que ce soit matérialiste ou spiritualiste, pour essayer de comprendre le phénomène de conscience, c'est-à-dire phénomène ça qui permet tout expliquer le vécu, bien que Edmond Husserl essayait de faire l'île, lorsqu'il mettait la conscience comme au centre, comme priorité pour aborder, approcher le problème du vécu humain, mais il faut comprendre aussi et inscrit démarche non perspective généalogique, à savoir pour retracer l'historicité même de la conscience ou bien le processus même de la construction de la conscience humaine. Ceci est fondamental. C'est la raison pour laquelle qu'on peut même parler de conscience universelle. Indépendamment de la conscience individuelle, on peut même approcher en dynamique pour parler de la conscience universelle, et même certains parlent de plan de conscience. Plan de conscience, c'est-à-dire à chaque doctrine, à chaque connaissance, à chaque savoir que l'esprit exposé, c'est une porte qui est ouverte à un plan ou à une dimension de conscience qui vous permettra d'aborder et comprendre la réalité que vous avez vécue de façon différente par rapport avec d'autres personnes. Ceci étant dit, de mort que vous avez connaissance, de mort que vous naviguez dans des plans de conscience. Maintenant, la problématique qui se pose, c'est ce qu'on appelle l'unité des plans. L'unité des plans, puisque ou avancer qu'il existe des portes qu'à ouvrir à des plans de conscience. Maintenant, il faut comprendre que ces plans de conscience, il faut les inscrire dans une démarche unicité qui consiste à regrouper tous ces plans de conscience dans une perspective globale, c'est-à-dire une vision globale de ces réalités distinctes, de ces multiplicités, et cette unicité, en quelque sorte, de ces plans, c'est ce qui permet tout joindre ce qu'on appelle du sens. Et c'est la raison pour laquelle que moi entrer dans dynamique pour me parler de théos, et me parler de généalogie, de conscience, non, en quelque sorte, dans le processus de construction, les étapes, les événements humaines qui ont marqué l'humanité et qui ont permis à l'humanité d'arriver à une prise de conscience collective. Ceci est aussi vrai sur le plan médian. Quand je dis sur le plan médian, c'est parce que, en quelque sorte, non seulement il faut développer et cultiver une conception globale du monde, mais aussi une conception locale dans le sens au niveau national. Bien aussi au niveau individuel. Parce que non seulement vous êtes un élément de système global qui est le système national, mais aussi de système macro-global qui dépasse le champ national, qui vise en quelque sorte la planète ou bien en quelque sorte le monde dans lequel on vit. Parce que les événements mondiaux, en quelque sorte, ont des impacts sous vécu, quelle que soit dans la région le plus reculé où tu es capable d'exister, où tu es capable de vivre dans le pays, dans le monde là. Ceci étant dit, il y a des situations qu'on a vécues, en quelque sorte, il y a des souffrances qu'on a confrontées, il y a des maladies qu'on a vécues, il y a des moments difficiles qu'on a traversés, puis qu'on pense seulement que moment, sa maladie, sa souffrance, ça, est seulement lié avec vous-même. Non. En quelque sorte, il faut que vous posez problème au niveau des plans. Faut poser non seulement au niveau personnel et individuel, mais aussi graduellement, il faut qu'on inscrit vécu au niveau national, c'est-à-dire sur le plan, non plan beaucoup plus macro, mais aussi sur le plan plus global, c'est-à-dire au niveau mondial. Au niveau mondial, ou pas qu'à dire qu'on échappait en réalité, parce que non seulement on fait partie de un monde qui existait, même le couvre le coup avril, non seulement les événements du monde peuvent avoir des conséquences sur vécu
et influencer manière que ou vivre, mais aussi faut comprendre que ou pas un élément isolé, il y a des plans, mais le monde aussi, c'est-à-dire la planète Terre, il pas tombé du ciel comme ça, il fait partie d'un système cosmique, il fait partie d'une galaxie qui en quelque sorte a influencé le comportement de la planète en tant que entité astrale. Maintenant, ce qui est très important, alors où est-ce entré dans dynamique, dans quatrième niveau. Quatrième niveau, ceci étant dit que les phénomènes cosmiques qui ont bouleversé le monde cosmique, ok, les phénomènes cosmiques qui ont bouleversé le monde cosmique, va faire référence avec ce qu'on appelle le monde cosmique dans le sens l'univers. C'est-à-dire que l'univers que nous pas ouais, l'univers que nous pas connaît, l'univers que nous pas qu'on ait accès avec lui, il faut pas comprendre que ces événements cosmiques, ces événements astrologiques, astrologiques, y a pas gagné des impacts sur ou même qu'à vivre. Non, nous toutes fait partie de système ça, système cosmique là, système galactique là, système intergalactique, système mondial là, système national là, jusqu'à ce qu'on tombe dans un système qui pipitia, qui c'est ou même qui c'est plus petit. Maintenant, nous capables de descendre plus bas, parce que il faut comprendre, c'est une question de plan. Il faut comprendre que c'est une question de plan. Raison, c'est que non seulement au niveau personnel, nous capables de descendre plus bas toujours. C'est la problématique de la conscience, et cette conscience, en quelque sorte, comme unité élémentaire de la constitution même de la personnalité de l'esprit. Et puis, où il veut non dynamique pour descendre plus bas sur le plan biologique, physiologique, ou comment on approche matérialiste et naturaliste pour expliquer que il y a des phénomènes de sensation que nous, système nerveux, ou, et à partir de là, on descend plus bas toujours pour entrer dans ce qu'on appelle les cellules, ou on prend les organes, ou prend les organes, ou prend les tissus, et pour tomber dans ce qu'on appelle les cellules, et puis cellules eux-mêmes, ou descendre dans cellules là, pour entrer dans les composantes même de la cellule, pour entrer dans les chromosomes, yo, pour étudier les chromosomes, et comment ils ont entré, ils ont constitué, et pour pas tomber dans la dynamique qui est l'ADN, pour comprendre la constitution même de la carte génétique, les constitutions ADN, qu'on a venu rendre compte que il y a des unis où existaient non seulement sur le plan cosmique, mais aussi où existaient sur le plan quantique. D'où la science quantique. La science quantique. Ça m'a dit à la, là me dit la science quantique, je fais référence à la physique. Physique quantique. Ça m'a dit à la, en pile nan nous étudier, en quelque sorte, on te dit, nous m'appeler, m'a volé nos niveaux. Et m'a essayé de break it down pour nous comprendre. Ceci étant dit, l'être humain vient tourner ce qu'on appelle une unité médiane, entre le monde cosmique et le monde quantique, c'est-à-dire le monde et microcellulaire. Dans sa composition. Maintenant, ceci permet en quelque sorte de répondre à des questions existentielles qui pendant longtemps ont bouleversé l'esprit des philosophes à la recherche, bien entendu, des réponses appropriées. Et ceci étant dit, le monde humain est en quête de sens, est en quête d'explication, est en quête de justification. En réalité, c'est ça, le monde. Que ce soit dans le domaine scientifique, la science, et c'est une façon d'expliquer la réalité. C'est aussi une justification. La religion, la philosophie,
Ce sont des activités humaines qui visent à apporter des réponses à des questions existentielles. La philosophie, la foi, les hypothèses, les théories. En fait, c'est ça. L'homme, comme unité médiane, est en quête de sens, est en quête d'explication. Il invente mythes pour laisser comprendre sens à existence. Il invente religion pour trouver sens à existence. Parce que la réalité est que l'homme est confronté à des vécus que le pas appréhender. Par exemple, question de maladie, question de la mort, la souffrance, le mal. Lui-même a essayé par plusieurs divers degrés philosopher sur le mal. Ceci étant dit, qu'il cherche à comprendre ce côté maléfique chez l'homme. Maintenant, on parle de Satan, le diable, pour essayer de comprendre. Comprendre pour donner du sens au mal. Il faut quand même une responsabilité. Parce que si action posée pas de nécessité pour le sens, automatiquement, ou pas tomber dans le nihilisme. Parce que le nihilisme, c'est absence de valeur. Parce que si ou pas construit des valeurs pour poser à l'action humaine, pour encadrer l'action humaine, pour chercher du sens et pour créer du sens, il parle problématique pour homme humain vécu. Comprendre vécu, aborder vécu, comprendre, chercher sens à vécu. Et ceci étant dit, nous, c'est la raison pour laquelle j'ai bien dit humain. Il va dire l'homme. Il dit humain parce que associé à la culture, à l'invention de la culture et de la civilisation, on est passé de stade animal, de sauvage, on est entré dans le monde civilisé. C'est la civilisation, c'est le monde de la culture, c'est le monde de la connaissance, de la conscience, c'est le monde du langage, de la pensée, de la logique, du raisonnement. En fait, c'est ce qui fait que nous sommes des humains, le monde de la morale. Cette capacité à discerner le bien du mal, ça c'est le monde de la morale. C'est ce qui nous détache, bien entendu, des animaux, des meilleurs animaux qui en quelque sorte vivent, fonctionner, déterminés, conditionnés par leurs instincts. Ceci étant dit, le fait qu'ils sont conditionnés par leurs instincts ne remet pas en question leur degré d'intelligence. La question de l'intelligence, c'est juste une question de degré. C'est pas une question d'espèce. C'est juste une question de degré par rapport avec des facultés et des dispositions et biologiques, mentales et spirituelles qui permettent d'être capable, bien entendu, de définir et composition même en tant que tel. D'où ceci nous permet, en quelque sorte, de poser la problématique d'une bonne anthropologie pour saisir le sens et la portée de toute activité humaine. Maintenant, il faut comprendre que à ce titre, même le darwinisme, en quelque sorte, même le darwinisme qui avançait la problématique de la sélection naturelle, reprendre le chaînon manquant, reprendre la retracée généalogie, l'homme avec le singe. Maintenant, il faut comprendre que cette pensée évolutive, évolutionniste en quelque sorte, les problématiques dans le sens que il faut continuer avec ce raisonnement, faut continuer à raisonnement ça pour prolonger jusque dans la cause première, d'où le phénomène du Big Bang. Ouais, le Big Bang, boum, un grand matin, un bonjour, bing, et puis évolué. Là encore, les problématiques, les confrontés au trinium. Parce que c'est ça le problème, confrontés au trinium, parce que le temps, l'espace, t'as bien oui, le temps, l'espace et la matière, ils sont coexistants. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas exister sans l'autre. Ceci étant dit, si matière là paraît, bin en fait,
Maintenant, faut te gon bagay qui te existé pour bim nan fait. Maintenant, faut matière ça te existé. Et pour te existé, parce que c'est au matière lié, faut te gon espace qui vous te gambil. Ceci étant dit, matière là, parce que lors du matière, la matière occupe une espace. La matière est toujours occupée un espace. Ceci étant dit, pour te existé, faut te gon espace pour mettre matière là. D'autant plus que, pour matière ça, en quelque sorte, t'es occupé espace là, faut t'es occupé espace là, non, temps, t'es. D'où le problème, d'où la problématique du temps. Parce que, pour matière la vie ni à l'existence, faut qu'on espace pour t'es mettre. D'où, est-ce que espace là, t'es là, avant matière là? Ou bien, et pour mettre matière là, dans l'espace là, faut mettre non, temps donné. Faut mettre non, temps donné. Maintenant, non, temps t'es. Maintenant, est-ce que c'est temps zéro? Soumettez-le en temps zéro. Maintenant, matière là, M0. Soumettez-le. Oui, matière là, il faut le masse. Il n'a pas les deux masse énergie. C'est la matière. Maintenant, souris venez dans dynamique pour mettre le temps zéro. Parce qu'on pas qu'à parler, on pas qu'à entrer dans dynamique pour créer, pour bien cerner la problématique de la matière en dehors de temps et de l'espace. Ça va exister. Ce sont ces trois éléments constitutifs qui coexister de par eux-mêmes. Maintenant, la problématique est à savoir à quel moment, à quelle durée, pour bagage ça vienne à l'existence, il faut qu'il y ait une autre entité qui gagne une nature différente de la matière, de l'espace, du temps, pour le permettre à phénomène bing bang nan réaliser. C'est toute la problématique de la pensée évolutionniste. Il va pas résoudre. Fini. Pas de mentir là-dedans. Il va capable. D'où ceci donne lieu à la doctrine créationniste. Ceci étant dit, l'intelligence, l'ensemble des informations que yo recueilli depuis l'apparition de l'homme sur terre jusqu'à nos jours sur la matière, le temps et l'espace, l'impossible pour le monde physique, le monde cosmique venir à l'existence indépendamment de leur intelligence. C'est impossible. Et c'est tout bagage ça qui t'a expliqué la problématique de la pensée grecque. C'est tout ça qui expliquait la problématique de la pensée grecque. La pensée grecque, en quelque sorte, c'est ça qui expliquait que Socrate va l'abandonner. La pensée présocratique pour l'entrée dans l'autre démarche à la recherche de la conscience, l'homme, le connaître toi-même. Parce que vous savez que les présocratiques, ils étaient intéressés en quelque sorte au monde matériel. Démocrite et Anaximandre, tout ça, ils étaient intéressés à la cause première, la matière. C'était une pensée matérialiste, en quelque sorte, avant Socrate. C'était la pensée, le développement de la pensée matérialiste grecque. Oui, ceci étant dit, Negab dit c'est l'eau qui t'est venue avant, qui t'est existé, qui t'est la cause première. Genet qui dit oh, c'est l'oxygène, Genet qui dit c'est l'atome, Genet qui dit oui, c'est le feu, Genet qui dit non, c'est la matière. En quelque sorte, la pensée philosophique, la première pensée philosophique, ce qu'on appelle les présocratiques en quelque sorte, et c'est Socrate qui va faire la rupture avec cette pensée matérialiste pour l'inscrire dans une démarche qui vise à chercher, bien entendu, la conscience humaine, à cerner la conscience humaine à partir de la méthode maïotique. C'est-à-dire chercher l'esprit humain dans l'homme. Parce que Socrate, partit du postulat, il faut accoucher l'esprit humain. C'est l'approche maïotique. Maintenant, on doit poser cette question, on dit, mais professeur, quand on va aller là, maintenant, ça a dit mieux là, j'en flou. Ah ouais? Et ça me dit mieux là, il doit en jambes flou, professeur. Non. C'est pas flou ou flou. Le problème, c'est que on a disséqué la connaissance. On a disséqué, on a fait du tort à la connaissance. Les sciences sont connexes. Il faut toujours une approche globale en matière de connaissance. Ça va me dire là le fondamental.
S'il n'y sou pas développé un esprit de corps, un esprit holistique, pour appréhender les phénomènes de l'esprit, du corps et de l'âme, automatiquement, la problématique pour. Parce que, ou pral cantonner à une spécialité qui devait un caractère réductrice, et puis automatiquement, ou pral trouver une situation extrêmement difficile pour saisir d'autres paramètres. Parce que l'esprit pral borner à une spécialité. C'est la raison pour laquelle on parle de spécialiste. On parle de expert. La construction de l'expertise, c'est le fait que l'esprit focalisé à tel ou tel domaine spécifique. Maintenant, modèle ça, on va remettre la question, bien entendu. Maintenant, pour arriver dans la dynamique ça, faut développer ou pas qu'à seulement focus sur un élément, les problématiques. Parce que il faut qu'on ait que l'élément fait partie du tout, de l'ensemble. Maintenant, si ou intéressé seulement à un élément, ouais, c'est vrai, ou à expertise. Et c'est une raison qui fait nous pas qu'à guérir. L'homme n'arrive pas. L'homme pas qu'à guérir de maladies. Parce que la médecine, en tant que telle, elle est supposée corporaliste. La médecine doit être corporaliste. Ou pas qu'à traiter un problème cœur. Pendant ce temps, cœur a fait partie de corps. C'est vrai ou traiter ou soulager problème cœur. Mais cœur a son élément dans le système. Le panneau a traité cœur. Traitement même comme by cœur, les générateurs, attendez bien, les générateurs de problèmes pour l'autre partie dans le corps. C'est pour ça que je dis corps, le corps humain. C'est-à-dire, il faut toujours cette conscience holistique pour approcher le problème qu'il y a avec question corps. De même aussi pour la société. La société, c'est un corps. Ou pas capable de résoudre des phénomènes qui, en quelque sorte, n'est que des symptômes de nos problèmes. Peut doit résoudre, ou penser que le papa a affecté d'autres secteurs dans le corps social. C'est problématique. Et c'est une raison qui fait que, à chaque fois que force ténèbre frappe, ou tandis que docteur yo pral fait manifestation. C'est le secteur, c'est secteur docteur pral prend la rue. La raison, c'est que la dissection de la société en secteur, l'esprit analytique, en quelque sorte, il prend priorité sur l'esprit holistique. L'esprit de corps. Maintenant, faut faire très attention à ça. Conseil étudiant frappé, c'était étudiant terrain pour un coup. Quand c'est yon juge qui frappait, c'était la justice avocat pour un coup. Maintenant, faites attention. Les problématiques. Parce que c'est encore une forme d'évasion de l'appartenance collective. De l'appartenance à une communauté. Parce que, lorsque l'identité particulière prime sur l'identité collective, il est problématique pour résoudre nos problèmes. De quoi? C'est juste une question de méthode. Et c'est ça que me dit, en quelque sorte, toujours dit, Haïtien pas gagné trop gros problème, il juste gros problème de méthode. Parce que c'est la réalité. Même dans le processus de construction, pays ça gros problème de méthode.
Je vais être franc avec vous, franc avec nous. Comment expliquer l'union fait la force? C'est beau à dire. Ah oui, l'union fait la force. Nous mettez-le comme devise nationale. Mais c'est une aberration compte tenu du contexte. Si on prend l'union, hein, fait la force, toi, ou inscrit dans le contexte historique, c'est une aberration totale. Il est impossible pour parler de l'union nationale. Il est impossible pour parler de l'union. Ok, l'union fait la force. Fait la force de qui? C'est tout le problème. L'union fait la force. Mais l'union fait la force de qui? Il faut poser le problème. Faut nous poser le problème, le clair. De qui? Maintenant, cette force dont il est question. Qui est-ce qui va le bénéficier? Cette force va être au service de qui? Non, l'union fait la force, l'union fait la force, l'union fait la force. Mais l'union fait la force. La force de qui? Ok, si on dit, sous avant ces postulats, on dit l'union. Le fait qu'on dit l'union, c'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance même de division. Le fait qu'on ou avance l'union, ou déjà reconnaître en quelque sorte que problème de départ, là, son problème de division. Maintenant, ou poser l'union comme idéal. L'union n'est pas un fait. L'union fait la force n'est pas un fait. Maintenant, inscrit dans le contexte historique, ou capable de dire, ok, c'était un fait historique parce qu'il y a accouché l'indépendance de 1804. Oui. Mais l'union, en tant que telle, comme devise nationale, divine, ce qu'on appelle l'union idéale. Mais c'est pas un fait. Par rapport à la conscience collective, il n'y a pas un fait. La réalité, c'est que, avant 1804, il y avait des intérêts divergents. Et ces intérêts, c'était des intérêts extrêmement pointus. Parce que, leur dit l'union, ou parler de l'union des nègres et des mulattes. Mais écoutez, nous tout a parlé de l'union, mais l'union, c'était l'union des nègres et des mulattes. Ben, si, c'est l'union des nègres et des mulattes, faut nous clair sur ça, hein. C'est-à-dire, ou pas qu'à poser la problématique de l'union, sans pas tenir compte de dimension ethnique, ça, et raciale, ça, les problématiques. Ou pas qu'à parler de division, ou pas qu'à parler de problème, unité d'unité nationale, d'union nationale, pour pas poser la problématique fondamentale de base, qui consiste à identifier ces deux éléments majeurs, qui c'est mulatte d'un côté, et qui c'est nègre là, d'un autre côté. Maintenant, le statut de ces deux catégories là, est complètement différent. Dans le contexte de l'époque. Guéon qui est libre, Guéon qui bat libre. Un, premier problème, c'est problème, son problème de liberté qui posait. Mais le problème de liberté, pour qui? C'était pas pour le petit mulat. C'était pour le nègre. Le mulat était libre. C'est-à-dire, l'on dit, l'union fait la force. L'union fait la force là. Il n'est pas inscrit dans une dynamique de liberté pour le mulat là. Non, c'était pas l'objectif, ni la vision des mulats. C'était l'objectif des nègres. Pas mulat là. C'est-à-dire, la problématique de la liberté n'est pas problème mulatité. C'est problème nègrité qui était esclave. C'était pas problème mulatité parce qu'ils étaient déjà libres. Maintenant, l'autre dit comme ça, l'union fait la force. Vous pouvez dire, c'est pour liberté, pour nous cabine libre. Dis, c'est son illusion totale. Pour te cabine libre, pour qui? L'union fait la force. Pour qui? Maintenant, l'union fait la force pour que nègre la vienne libre.
Ah oui. Maintenant, il y a nécessité de reconnaissance. Ceci étant dit que les mulattes qui étaient libres, ils ont consenti entrer en union avec des nègres qui étaient des esclaves pour le permettre à nègres de vivre libre. Ah oui, c'est un élan. C'est un élan altruiste. Ah oui, c'est beau. C'est mieux là qu'à lever. Il était libre déjà. Il dit, bon, écoutez, je suis tellement libre, je prends mes libertés, et puis je décide, au grand, pour me libérer de Tineg Noir, pour me battre, pour me foncer la Tineg Noir, pour me permettre Tineg Noir de vivre libre. C'est beau comme discours. C'est un problème de conscience que nous avons, le petit nègre. Le petit nègre a toujours un problème de conscience historique. Et c'est un problème qui fait petit nègre dans tête grenant toujours aliéné. Parce que il a toujours un problème de conscience historique. Parce que le poser problème histoire, pays, li, suivant les repères, cadre référentiel que l'Occident blanc impose. Il fucking problématique. Et c'est ça qui explique toute dérive historique que nous assistons dans le pays d'Haïti. Tinek a toujours échappé à la conscience historique. C'est une raison qui fait à chaque fois que Tinek a tête grenant voulait prendre conscience de tête li en dedans pays ça, il toujours fini par un coup côté gon traite ou bien deux trois traites qui viennent dans mi-temps pour venir détruire, pour venir craser velléité ça dans mi-temps. Et c'est une raison qui fait Tinek n'a pas jamais capable révolutionner conditions matérielles d'existence li. Parce qu'en réalité, le projet initial, c'était pour Tinek Matek Green vin libre. Mais c'était pas pour Tinek Matek Green te vin guette. Et si nous pas clair, sous problématique de base, ça y est, nous faisons commencer dans le caca dans le pays d'Haïti. Les intérêts étaient divergents. Moi libre déjà. Moi pas besoin de liberté. C'est ou même nègre. Si nègre dans tête green qui besoin de liberté. M'a aidé. Prends liberté. Et puis ou même. Ou aidé me chasser papa. Qui c'est colon blanc. Et puis pour me prendre bien papa. That was the deal. That was the fucking deal. Et c'est ça qui explique tout le problème nous là. Maintenant nous cachons derrière l'union. Nous pas jouer l'union ça. Parce qu'il est possible. Parce que les intérêts sont divergents. Nous pas clairs. Parce que les nouvelles arrivées, nos dynamiques, nous pas clairs. Sous principe de base. Nous pas comprendre ça qui a accouché 1804. Nous pas comprendre. Nous avons toujours chita. La récité Thomas Madiou. Au capra la mort, les trois mouvements, mouvement blanc, colon blanc, ceci c'est la bouche, ceci c'est. Oui, c'est normal, on a toujours récité tout mal propre de ça. Mais à chaque fois qu'on a récité senti bagaille tintin ça, on a toujours tombé dans le caca, on a toujours dans la misère, on a toujours dans la malpropreté, on a toujours pas qu'à vivre bien, on a toujours pas à l'aise, on a toujours dans la misère, on a toujours pas qu'à fonctionner. That's the shit. Et tout problème, ça? Et puis, qu'on y a là, notre vécu, en tant que tinec, nous, à tête grenne sous terre, nous pas de problème avec elle. Nous pas de gros problème avec notre vécu. Parce que vécu tinec, nous, à tête grenne sous terre, c'est pas même vécu ça, que mulat la gagne sous terre. Sous ti île là. C'est deux vécus complètement différents. La manière que les mulats ont vécu la réalité haïtienne, c'est pas même genre que Tinek Matek Green nan vécu réalité haïtienne. Passé psychique, Tinek Matek Green avec terre haïtia, c'est pas même passé ça que Tinek, que Milat la gagne avec. L'attachement de Nèg Noir Tête Green à terre, c'est pas même degré d'attachement que Milat la gagne avec Nèg.
nous avons été venus. Nous avons tué papal pour te. Le nègre combattre le colon pour la liberté. Et m'a dit non, si bagay. Blanc, pas de colon pour mulat là. C'est ça qui fait le mulat. Pas de problème avec la colonisation au niveau mental. Mulat là, t'as des problèmes avec la colonisation matérielle. C'est-à-dire la présence physique du colon, de son père. Il n'y a pas de problème avec les paramètres référentiels en termes de civilisation culturelle avec papa. Non. C'était pas une différence de culture. C'était pas une différence de civilisationnelle que Mulat a tenu avec papa. Non. C'était plutôt une différence au niveau matériel. C'est-à-dire les conditions matérielles d'existence, Mulat a convoité les ressources matérielles de son maître, de son père. Et c'est une raison que Mulat là, toujours à l'aise. Il est toujours à l'aise pour faire référence avec cadre référentiel papal. Il est toujours à l'aise pour parler français. Il est toujours à l'aise pour parler de la France, de Paris, pour faire valoir. Pour mettre en évidence les valeurs de la culture française, les valeurs françaises pour les imposer à la réalité haïtienne. Il n'y a pas de problème, ça. Le petit mulat n'avait pas un problème de repérage culturel, dites-vous pas. D'ailleurs, c'est l'autre bord et en français qu'on a étudié. C'est en effet le nègre qui a un problème de repérage culturel. Et c'est ce que le mulat va faire. Mulat va imposer repérage culturel papali au nègre. Tout au cours de l'histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle le pétionnisme. C'est le pétionnisme. Maintenant, rapport que nègre a été développé avec Théa, il était problématique, oui. Le vécu du nègre au quotidien de la colonie était problématique pour lui. Il va faire sens. Malgré qu'il a cherché sens avec lui, il va faire sens. Il a fait le marron, il a utilisé le marronnage, il a révolté parce que son vécu, en quelque sorte, était problématique. La douleur mentale, émotionnelle, ajoutée avec douleur physique, les abattis, face à la mort, l'imputation, a affecté construction, conscience nègre là. Et c'est ça m'a dit au départ, c'est ça m'a posé comme postulat au départ dans le processus de la construction de la personnalité et de la conscience de l'individu. Ces expériences, ces vécus, le conditionné processus de formation de la personnalité collective du nègre en Haïti. Conditions matérielles négociées, souffrance que tu as enduré de façon collective, maladie que tu as confronté avec de façon collective, traitement que tu as joint de façon collective,
vient permettre yo cultiver un certain sens de yon identité collective. C'est le début de la formation de la conscience des nègres de cette identité collective. Les conditions matérielles yo t'es réunies même au niveau de l'âme collective, tu as parlé de la conscience collective, les conditions matérielles, souffrance yo endure ensemble, comprendre et esclavage là yo endure ensemble, conditions matérielles viennent permettre yo construire ensemble yon sorte de conscience collective. Qui est complètement différent de la conscience des mulâtres. Maintenant, l'enfer, c'était la conscience des blancs, des colons. Ouais, la présence de la conscience des blancs, des colons dans la colonie, c'était l'enfer pour les nègres. Ouais, c'était un petit peu l'enfer. Ouais, pas l'enfer au même degré pour les mulâtres. Compte tenu du fait qu'ils étaient libres, mais ils voulaient tout simplement jouir de certains droits civils et politiques. Mais en quelque sorte, c'était des revendications que tu as essayé, bien entendu, porter jusque par devant le Parlement en France. Ah oui. Ils ont effectué pas mal de démarches auprès des autorités françaises. Hein. Pour acquérir le droit ça. Et commencé à un aménagement, bien entendu, avec principe ça pour mitiger, améliorer conditions mulattes en colonie. Mais la résistance était venue du côté, bien entendu, des colons, des pères des mulattes. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, que ils étaient obligés, ouais, que pas d'exit pour eux. Il fallait que yo entre dans une dynamique d'alliance avec les nègres. C'est par nécessité historique. Maintenant, faites attention. Les fondamentales pour nous comprendre processus de formation de la conscience des nègres haïtiens. Maintenant, je dis bien des nègres haïtiens. Il y a les mulâtres haïtiens et il y a les nègres haïtiens. Maintenant, ceci étant dit, c'est deux trajectoires complètement différentes. C'est deux vécus complètement différents. C'est deux réalités complètement différentes qui demandaient des études spécifiques. Spécifique. Parce que si nous pensons nous qu'à traiter l'histoire de ce pays juste l'histoire d'Haïti, c'est une aberration. Parce que en réalité, ça me fait nous comprendre, le vécu, le vécu des enfants d'Haïti, de pas même. C'est là, m'a parlé de plein. Le vécu des mulâtres en Haïti, le vécu des mulâtres haïtiens en Haïti, et le vécu des nègres haïtiens en Haïti, c'est pas même, bien que y a tous les deux en Haïti. Maintenant, comment expliquer ce phénomène de différenciation? Ça me le dit pas là. Ayant tous les deux contribué à l'avènement historique de ce pays, on va parler de révolution 1804, mais là, tu as contribué,
Tinek n'a contribué, mais comment se fait-il que le rapport, c'est-à-dire le vécu, le lien que chaque développé avec PISA, c'est deux liens complètement différents, c'est deux vécus complètement différents. Yon a vivre un paradis sous terre, l'autre la vivre l'enfer sous terre. Il y a une explication à ça. Il faut une explication. Oui, il faut une explication parce que en réalité, ce sont des vécus. Oui, les nègres ont besoin d'une explication. Et maintenant, c'est là le problème, non? Puisque ma pensée problème, non? Les vécus sont différents. Vécu milatla avec une nègre, là, c'est des vécus différents. Que et tous les deux, c'est haïtien. Maintenant, le mulat haïtien, le siro-libanais haïtien, le nègre haïtien dans le pays, ils ont chacun vécu différent. Maintenant, en tant que tel, comment se fait-il que c'est le vécu? C'est vécu nègre là qui l'en fait en permanence. Et ceci pendant plus que 200 ans. Et comment se fait-il que le vécu du mulâtre et si au Libanais en Haïti, lui c'est paradis. C'est-à-dire le rapport, le lien que chaque développé avec Haïti, il est problématique. Il laisse à désirer. D'où la nécessité d'une explication. C'est ça le fondement même. Le postulat de base qui va servir comme assise pour construire une pensée. Maintenant, il faut une explication à phénomène ça. Maintenant, ceci étant dit, pour cette explication, faut justifier le phénomène, non? Parce que, en réalité, une explication vise à justifier un vécu, vise à justifier une réalité. Aussi choquante que ce soit-elle, faut ballon explication. Alors, le nègre est en quête de sens. Maintenant, comment, nègre, le nègre haïtien pral jeune sens à existence, l'enfer que l'a vécu sous propre tel, en comparaison avec le mulat, qui lui-même a vivé au paradis sous terre, alors que, il a prôné au, chaque jour, l'union fait la force. Comment cela, comment expliquer ce phénomène? Comment donner du sens au vécu du nègre en Haïti? D'où la nécessité, bien entendu, de récit. Il faut que le nègre raconte son histoire. Il faut que le nègre haïtien raconte son histoire. Il faut que le nègre haïtien réfléchisse sur son histoire, sur son vécu. C'est celle-lui-même, nègre là, qui vive condition par là. C'est celle-lui-même qui vive l'enfer là, de façon collective. Il faut un récit des nègres haïtiens dans ce pays. Pour expliquer au monde phénomène nous, pour expliquer vécu yo dans ce pays. Et quand j'ai dit une explication, non seulement il faut un récit ou une histoire, mais aussi, faut une clé sur ça, il faut une science. Faut nous venir avec des explications scientifiques, rationnelles, pour nous montrer que c'est pas dans le ciel, ça sorti. Et c'est dans cette démarche que je me suis inscrit. J'ai identifié les caractéristiques propres au système pétionniste qui établit une dictature économique pétionniste mulatte au Libanais dans le pays. Tout ceci pour expliquer en quelque sorte l'enfer des nègres haïtiens dans ce pays. Et ceci, identifier les différents éléments et niveaux qui composent ce système ça, pour permettre de perpétuer dans le temps. Et ceci m'explique pour qui raison nous fait 200 ans mulatti au Libanais abdominé en dedans pays. De manière scientifique. Je ne vais pas passer dans plusieurs chemins.
Et c'est un autre problème qui gagne dans un moment ça. Il y a une récupération de mon discours au niveau des médias. Et même au niveau de, l'intelligence haïtienne. Il y a une récupération du discours. Il y a une fuite en avant qu'a fait. Il a essayé de modifier parole, mais il reste, ou de pour modifier concept là, ou pas carré. Parce que l'outil conceptuel que m'utiliser pour me construire théorie scientifique ça, pour me poser dans la réalité aujourd'hui, pour me combattre système ça, ou pas carré. Éloigné de outils théoriques ça et conceptuels et théoriques ça jamais parce que à aucun moment pas jamais dit domination il dit dictature des monde qui battu dit domination classe bourgeoise non j'ai pas dit classe bourgeoise j'ai dit dictature économique. On va parler de domination classe bourgeoise. On va parler de domination classe bourgeoise. Oui, ça c'est une dimension sociale. On va parler de bah non, pas de bourgeoisie en Haïti. Maintenant, soit traiter un problème de bourgeoisie, on va parler de éthique bourgeoise. Il n'y a pas une bourgeoisie en Haïti. Non. Dites-vous pas, il n'y a pas une bourgeoisie en Haïti. Parce que c'est la bourgeoisie, en quelque sorte, la bourgeoisie en tant que concept a une histoire. La bourgeoisie, les bonnes histoires. Parce que c'est la bourgeoisie qui a attaqué ce qu'on appelle la monarchie et l'aristocratie. Maintenant, il faut comprendre bien, la bourgeoisie a une histoire en tant que concept classique, construit par dans le système capitaliste occidental. Il y a un fondement théorique. Et il y a une éthique. Bourgeoisie, bourgeois, il y a une façon que, historiquement et classiquement, il comporte. Le petit, le bourgeois, il y a une façon historiquement. C'est un comportement, c'est un mode de vie. Et il y a une éthique qui marche avec. Maintenant, ce que nous avons en Haïti n'a rien à voir avec la bourgeoisie. Et peut-être ça, conseil des pays, ou alors dans les pays développés, je parle de bourgeoisie nationale. Parce que c'est la bourgeoisie, en quelque sorte, qui a accouché, comme prémisse, qui a accouché d'abord l'État-nation. C'est la pensée, l'État-nation plus de ses racines théoriques de la pensée bourgeoise. Vous ne pouvez pas écarter ça, non? Et non, pas dire c'est oligarchie, nous en Haïti, non? Il ne faut pas qu'on dise que l'oligarchie a ressorti. Ou elle dit que c'est. Ou pas mettre corrompu. Parce que la tendance qui consiste à dire que d'un côté, ou gagne bourgeoisie, ou gagne oligarchie, oligarchie corrompu, oligarchie pas corrompu, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Oligarchie corrompu, oligarchie non corrompu. Ça, c'est ruse. Ça, c'est une ruse de l'esprit. Une ruse de l'esprit. Comment ça, oligarchie? Oligarchie en soi, les problématiques. Le concept même, oui, les problématiques. On dit que l'oligarchie corrompue. C'est une pratique, oui. L'oligarchie, c'est une pratique. C'est une pratique. C'est une pratique. C'est ça qu'on n'a pas ni bon, ni mauvais. Ou pas appliquer à l'éthique. L'éthique de l'oligarchie, c'est ça on dit l'éthique là même les corrompus, c'est-à-dire que ou pas appliquer éthique parce que c'est une pratique qui fonctionne en dehors de l'éthique. So, oui, c'est ou pas parler de bon ni mauvais pour oligarque. Parce que pratique là en
sens moi-même li mauvais. Son pratique même qui mauvais. Comment on peut faire parler des bons et mauvais là-dedans? Même tentative vous avez fait pour conceptualiser ou un concept là même niveau connotation péjorative. Et pour ça, c'est peut-être ça dans les grands pays, il va utiliser. Aux États-Unis, on va parler de oligarque. Il parler de oligarque. Tendez, il parler de oligarque dans les pays, dans les anciens pays soviétiques. Mais dans le système capitaliste, il pas conforme à l'esprit du capitalisme. Il pas conforme à l'esprit du ou pas à l'éthique du capital ou pas parler de oligarchie, les problématiques. Parce que ça me défend nous comprendre là. Sous dit oligarchie, ou dit c'est un petit groupe qui a le pouvoir. Il est contraire avec l'essence et les valeurs démocratiques. So, basically, si on dit on inscrit une société qui se veut démocratique, où les valeurs démocratiques sont au centre. C'est avec valeur démocratique que on va l'utiliser comme outil pour capable évaluer, ok, pour capable évaluer le comportement des acteurs sociaux et économiques dans la société. C'est ça la démocratie. L'ensemble des principes et des valeurs démocratiques, c'est eux qui vont servir comme des outils pour capable évaluer, on comprend, évaluer comportement des acteurs sociaux et économiques. Maintenant, si vous observez avec la démocratie, les valeurs démocratiques et les principes démocratiques comme critères d'évaluation pour capable garder, analyser le comportement des acteurs économiques et sociaux. Maintenant, comment se fait-il en dedans, non vie, non espace démocratique, on parle de oligarchie? Comment se fait-il? Comment faire parler de oligarchie? Ou pas, c'est deux concepts qui pas conformes. C'est deux concepts qui sont antisémites. Yon c'est frayon l'autre. Nous allons nous compte que yon c'est problème lié pour l'autre là. Implanté. En réalité, c'est ça. Ou pas qu'à parler des bons oligarques. Ou pas qu'à parler des mauvais oligarques. Ou pas qu'à parler des oligarques corrompus. Raison, c'est que dans un espace démocratique, il est impossible pour parler d'oligarchie. Parce que toute pratique oligarchique en dedans de démocratie, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Parce que c'est le contraire avec la liberté. Pratique oligarque, le contraire avec la liberté, le contraire avec l'égalité, le contraire à la fraternité. C'est ça, toi, on va parler de oligarchie, et puis pour dire corrompu. Ça laisse entendre que des oligarchies qui pas corrompu. C'est une aberration. C'est une aberration au niveau de l'esprit. Qui forme de pensée ça, qui forme de raisonnement ça, qui forme de, qui, regardez même, c'est une contradiction même, oui. Pas de oligarchie corrompue. Suspend bêtise dans Figimoun. Et m'a dit ça, je dis là. Le concept d'oligarchie corrompue, c'est une ruse que les journalistes utilisaient pour être capables de justifier leur comportement par rapport avec un petit groupe mulatti au Libanais qui a bâillé et qui a toléré en dedans. Ça, c'est la vérité. Pas que m'a dit là. Debout un nèg qui a utilisé oligarchie corrompue, c'est parce qu'il y a un grand groupe oligarque qui a intérêt avec eux, qui a joui avec eux, et puis ils ont considéré oligarque ça comme bon, et puis ils ont pas d'intérêt, qui n'a pas fourni, qui n'a pas bâillé l'argent, ils ont relé oligarque ça corrompu. Et c'est tout problème que j'ai avec
les journalistes. Tout le monde est après les journalistes. Et puis, quand il y a un comme ça, oh oui, oligarque corrompu. Oligarque corrompu. What the fuck you mean, oligarque corrompu? So, qui sont, qui d'abord avons identifié les oligarques corrompus, faut commencer par identifier les oligarques non corrompus. Avant même de commencer à identifier les oligarques corrompus, faut commencer par identifier les oligarques non corrompus. Parce que moun ka finance ou là, parce que c'est un concept, si monsieur Jovenel ici, qui cap juif de privilège Jovenel, qui te met Jovenel devant, yo construit concept ça, pour yo capable justifier cob, y a pressé voix, nan me kek groupe oligarque, nan me kek neg. Les neg là, l'or Jovenel ici, yo pas être tout comme ça, oh oui, oligarque corrompu. So, oligarque cap traite ou bien, ou a servi avec yo a, oligarque cap bon l'argent, oligarque qui finance campagne électorale ou, oligarque qui est donc, qui bon met en position, oligarque qui bon job, oligarque ou bail contrat, ou voulez dire que, ou a parlé de oligarque corrompu, maintenant, ou voulez faire comprendre que André Appel Junior, lui va faire partie des oligarques corrompus? Chérif Abdallah, lui va faire partie des oligarques corrompus? N'est-ce pas vrai? Maintenant, qu'est-ce qui explique cette sélection? Qui intérêt qui cache des sélections, ça? Et c'est là, oui, yo kaka peuple là. Et c'est là, yo joué avec nous. Et c'est là, yo biaisé nous. Et c'est là, yo manipulé nous tout. Moun ki geti l'esprit, yo manipulé. Parce que comment vous voulez paraître la bindou oligarque corrompu? Maintenant, c'est une façon, yo joue nos mots, yo manipule les mots, hein? Et puis, pour yo ka fort comprendre que gen nèg nan, c'est une façon pour yo dire que gen nèg nan économie, hein? Gen nèg qui nan oligarche yame qui pas corrompu. C'est quoi cette bêtise? Qui genre de bêtise aïe? So, tout nèg, on pratique, en dedans l'État, yon l'État qui prise en otage, par yon pratique, que yon groupe moun a fait, et puis qu'on y a ou même, ou décider qui est-ce qui corrompu, d'après qui critère ou décider ça? D'après qui critère ou décider ça? Maintenant, on va faire le jeu. C'est jouet là, on va vu. Bon, fait le jeu. Nèg yo. Maintenant, puisque nèg yo, nèg qui a avoy yo, nèg qui a finance yo, nèg qui kopé derrière yo, yo pas corrompu. Yo oligarque, mais yo pas corrompu. Comme si pratique oligarque là, li normal, et puis tout jour, non, on va parler de démocratie. This is the shit. This is the shit. Ou dans la radio, dans la télévision, en tant que journaliste, ou à promouvoir les valeurs et les principes démocratiques. Et puis, d'un autre côté, ou qui a problème avec les oligarques corrompus, mais ou pas des problèmes avec les oligarques non corrompus. D'après vous-même. Mais finalement, c'est comme si, oligarchia, j'en ai décrit là, lui conforme avec les valeurs démocratiques et les principes démocratiques. Et vous, ou gen oligarque corrompu ou gen oligarque qui pas corrompu. Avle di ou ap joué game et puis l'autre victime de game non kaka ou plaigné. Parce que c'est ça le problème. Et c'est ça t'expliquer Jovenel Fokop. Yo piégé Jovenel. Et c'est ça d'expliquer le Fokop. Tu n'es pas avec le Fokop. Et après, tu n'es pas avec. On lui a mené une bataille.
pour ti nèg matèt green au lieu mené en bataille pour nèg pour je mené li somme en bataille pour paysan mon dehors de masio qu'on a vienne avec un discours ou a fait différence entre oligarque corrompu et oligarque non corrompu. Finalement, qui est-ce qui mange ou? Qu'est-ce, bon, réellement, qui est-ce qui mange ou? Dans l'oligarque ou? Maintenant, posez-vous cette question. Si oligarque corrompu ou, t'as contribué pour le manger ou? Pour qui est-ce que oligarque non corrompu ou, pas intervenir pour empêcher oligarque corrompu ou manger ou? C'est toute problématique là ça. Comme vous avez oligarque qui pas corrompu, qu'on a faut expliquer silence oligarque non corrompu. Dans le monde, comment oligarque non corrompu fait quitter oligarque corrompu fuck up bobo. Parce que nous y venons point ti nèg, this is the thing. L'homme m'a parlé que le nèg haïtien li gon problème de récit, li gon problème d'explication, li gon problème de compréhension, li gon problème de méthode. Li gon problème de méthode. Parce que li pense le malin, et this is the shit. Le petit nègre, lorsque li exposé avec quelques brèches de connaissances que l'Occident fouille dans la tête, il pensait l'intelligent. Il pensait l'intelligent, il pensait le cabine souterrain pour la décider qui est-ce qui oligarque corrompu, à qui est-ce qui oligarque non corrompu. This is the shit. Le petit nègre, c'est ça que tu trouves. Parce que, comment on voulait? Comment on voulait? Parce que les outils ou d'être utilisés, on pense ruser par ces maîtres systèmes là. Et c'est un plus grand problème, si nous avons toujours, pensé au pire intelligent par ces maîtres systèmes là. Yo vini, y'a vini, dit, oh, oligarque corrompu, oligarque non corrompu, et puis, biou, yo pété coco, qu'on y a, par contre, qui est-ce qui mange, si c'est oligarque corrompu, mange, si c'est oligarque ou corrompu, mange, they don't fucking know who. Because the thing, the matter is, ou vini avec un ruse, nèg, ti va, ti nèg qui entoure yo, met ton vieux concept jolbo qui est dans tête ou pas de clarté de l'esprit, ou pas aucune clarté de l'esprit, et ou a bataille avec un concept qu'on pas maîtrisé, un concept qui pas reflété réalité, et vous gonaka. Pour qui raison, oligarque qui pas corrompu, pas mari Andal, pour qui raison Andal est en, à réfléchir juste en Tiki? Ou pas j'en pose tête question, comment Andal fait quitter Tiki? Fait quitter Haïti, quand il était à Airport Apologie, à l'Antiqui. Pour l'atterrir Antiqui. Ça va, je me demande, nous, pour quelle raison, c'est T-Claude, c'est l'autre barrio qui a mené campagne pour Jovenel Jeune Justice, contre oligarque, nous corrompus Jovenel Yo. C'est vrai, nous, qu'on oligarque corrompu, mais contre oligarque, nous corrompus Jovenel Yo. Bah, moi, on a télévision, ni dans radio, après de justice, non? Et des moun, moi, qui bataille plus, sous scène, non, international, là, c'est madame Jovenel, c'est trois moun, c'est madame Jovenel, c'est la mort, avec, et comment y'aurait l'autre, là, avec Ticlodou, c'est ça, seulement, moi. Côté oligarque, non, corrompu, Jovenel, yo. Ça passe, au bébé, là. Ça passe, au bébé, là. Jovenel te bon pour yo, et puis on fait silence. Jovenel te douce pour nèg yo, et puis on fait silence. Comment on fait silence? Quand y a moins de trois green nèg yo, mis de devant, c'est Ticlode, c'est madame nan, y a kaka moun ou les moun. Côté bout, l'île est pour nous pour demander côté oligarque, non corrompu Jovenel yo. Parce que Jovenel te qu'on a dit nous oligarque corrompu yo. La bataille contre oligarque corrompu qu'on y a nous besoin est figui oligarque non corrompu qui a demandé justice pour Jovenel.
Parce que quand tu suspends une bêtise à Figimoun, tu n'es pas d'être gagnant. Il n'y a pas même grande tête. Il est aliéné. Il est toujours où les mouns, parce que tout le monde est imbécile. Et c'est une raison qui fait nous pas jamais. Et une raison qui fait nous pas jamais font pas avec Tinek tête gagnant. Yo vini mettre en confusion dans l'esprit président. Yo mettre en confusion dans l'esprit président tellement yo vicieux. Parce que Tinek la tête gagnant tellement vicieux. Yo entouré président. Et puis yo vicieux, y a président conseil. Parce que yo besoin l'argent. Yo besoin l'argent sous nom président. Et puis, il y a un petit accointance de développer avec quelques émulations libanais. Qu'on y a, ça qu'ils ont mis. Faut comprendre bien là, bien. Si président entouré, si président Jovenel était entouré par Veneg, Veneg qui relit tête de Jovenelis, Veneg ça y est, si Neg n'a tête de vice ça y est, il y a un ami, il y a un Neg dans le Milat, si au Libanais, qui a battu comme, il y a un Neg Milat, si au Libanais, qui a fait tractation pour eux. Il a utilisé nèg milat si au Libanais ça va après les yo. A dit ma bon job beaucoup de président. Donc oui, me camper avoir de contre président, dégager pour faire président signer tel contrat pour moi. Dégager pour faire président retirer tel contrat pour le bon place là. Ça c'est ti milat si au Libanais, ça c'est oligarque nous corrompi nèg yo. Parce que nèg qui gen oreille yo venir yo. Yo gon lis Milat si au Libanais, yon bon lis, oligak, non corrompu. Yap di la vel. C'est oligak sa yo, qui va gen problème dans le pays, yon prepou yon bay, yon prepou yon bay oligak sa yo te, yon prepou yon bay oligak sa yo, contrat, yon prepou yon bay, parce que oligak sa yo nan tête nèg yo, c'est bon oligak, parce que c'est bon oligak. Yo di Jovenel, oligak sa yo, c'est bon oligak. Jovenel même nan kwè. Parce que yo même qui entoure Jovenel là, yo gen avantage dans oligak sa yo. Yo gen avantage dans oligak sa yo et puis yo di Jovenel mais bon oligak, c'est oligak sa yo bon. Mais l'autre oligak, yo pa gen intérêt là-dedans. L'autre oligak qui pa bay parti politique yo l'argent. L'autre oligak qui pa dans tractation avec yo. Yo di oligak sa yo c'est oligak corrompu. Yo di Jovenel main oligak sa yo. Oligak sa ou se kompi, kon ya yo vina ou konsep oligak kompi. Parce que sa kap baye ou l'argent ki baye ou avantage la. C'est bon oligak. Sa li même ki gen problème, ki pa baye ou l'argent, ki pa baye ou se la. C'est mauvais oligak, yo le oligak kompi. Et puis yo lage Jovenel comme un chien pour marcher manger, marcher derrière yo. Et kon ya, Jovenel mouye. Et quand tu n'es, et quand tu as joué dans le mouillon, Nan ruse, tu n'es pas de gun. Yo joué dans tête li, yo voye dans le mouillon. Et puis, tout malandre tape joué dans tête li, yo dernier casse là. C'est le Jovenel qui mouille. C'est Jovenel qui mou, tout malandré qui était dans l'entourage Jovenel, qui t'a joué dans la tête, tout là. Dernier cas là. C'est Jovenel qui mou. Yo piégé, monsieur. Il a même dit nous, petit nègre là. Il faut un récit pour expliquer et justifier le comportement, le vécu du nègre. Le nègre haïtien. Parce que le nègre haïtien, sous pas bon récit pour expliquer le vécu lui de manière historique, pour comprendre, pour bon conscience de état lui, de condition lui en tant que nègre. En tant que nègre, nègre haïtien, l'a toujours pensé qu'il s'est mis là. Depuis que les nègres n'ont pas de récit de véhicule collectif,
en tant que nègre haïtien, n'a toujours pensé le semi là. N'a toujours pensé le c'est blanc. Toujours pensé le séminaire, t'as toujours pensé le séminaire. Et ceci, je veux être clair. C'est ça m'a expliqué. Il y a des catégories phénoménologiques en termes de vécu. C'est celle qui n'est pas être green en dedans pays d'Haïti qui concerne. D'ici, ils font-ils approcher. Si il faut t'y approcher, pour m'expliquer, nous ne comprendre. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Il y a la réalité, il y a le vécu des nègres haïtiens, et il y a le vécu des mulattes haïtiens, des Syro-Libanais haïtiens. Complètement différent. C'est deux bagailles complètement différents. Le vécu des nègres haïtiens dans le pays, il est complètement différent du vécu du mulâtre et du Syro-Libanais dans le pays. Maintenant, il y a une explication à ça. C'est pas tombé du ciel. Cette différenciation entre ces deux vécus, il y a une explication. Maintenant, le merveilleux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le récit qui explique le vécu des mulâtres, l'est enraciné en l'Occident. Au cas où est tracé vécu ça en l'Occident. C'est là le repérage. Le cadre référentiel du petit milat. Le petit milat, le petit Syro-Libanais, cadre référentiel, c'est en Occident, la France, la culture française, le français, tu sais, écoute, à Paris, nous étions, c'est notre père est notre référence, bon, c'est montré dans la dynamique. Oh, si nous pouvons comprendre, nous pouvons comprendre, nous allons aller plus loin avec nous. Oui, si nous voulons montrer plus loin, nous allons aller plus loin. Parce que là, pour créer les hommes blancs, c'était papa. C'était papa en quelque sorte milat là, milat là d'une façon li réclamer bout de terre encore pour qu'on les réclame bien papa sans pour autant que li pas sorti dans repérage dans cadre référentiel papa, c'est-à-dire que li reconnaît toujours l'autorité papa au niveau mental mais il pas reconnaître ni au niveau matériel. Ceci étant dit, les cadres référentiels, c'est-à-dire référence milat là, c'est toujours l'Europe, c'est toujours la France, c'est toujours la culture française, la civilisation française, la langue française, le vécu français. C'est ça le petit, parce que milat a toujours une cette nostalgie à pouvoir li toujours les vignes blancs. Il me semble à papa, mais il a toujours un petit problème parce que problème qui psychologique que Milat Lagien, c'est parce que il n'y a pas de cajou de droit civil et politique parce que il n'y a pas de blanc 100. Il n'y a pas de blanc à 100%. C'est peut-être ça, toujours à battre pour qu'un bêtis, repérage, culture française, là, comme si, il est obligé à blanc dans l'esprit, puisque le pas qu'à blanc. Non, pas l'aldeï est blanc dans l'esprit, c'est-à-dire l'aldeï est français dans l'esprit, il n'est pas qu'à français. Français alors, on français, on dit français, et puis, souche, c'est là. But là, on mis là, par contre, si ça, c'est haïtien, c'est. So, basic, les grands problèmes, repérage, quand il y a cette façon de gagner, pour attacher, pour l'exister, c'est, lui obligé à aller dans papa, au niveau métaphysique, là, les enraciner, lui, dans l'esprit français, là, les enraciner dans l'esprit de son père, l'esprit métaphysique, l'esprit, là, m'a parlé de ça, m'a parlé de cadre référentiel au niveau de l'esprit mental, c'est-à-dire que tout repère, lui, c'est la France, tout cadre référentiel, lui, c'est la France, puisque le pas qu'à français blanc, le pas qu'à français à peau rouge, à peau blanc, il est obligé à la rentrer dans l'esprit, hein, pour le sentir exister, c'est une crise existentielle de lui, l'aldeï résolu à travers repérage et mental et culturel de la France. Pour chercher sens, pour le bail ville sens, pour le capable kimber, pour le capable kimber avec crise existentielle li gen, parce que li pas blanc à mon Dieu, parce que l'elga de papa, li ouais, papa c'est bon blanc, jevet, papa le bon blanc, cheveux, bon bagay, c'est là, bon blanc, li comprend, bon blanc français souche là, li gen problème avec ça, li pas casten ni, li parce que tout désir, li c'est semblé à papa le mon Dieu. Et l'elga de petit papa, li ouais, petit papa, c'est bon, vrai petit papa, petit légitime papa, c'est bon blanc. Bon blanc français, j'y vais. Mais lui-même, l'elle garde tête lui-même, dans miwa, tout rêve, lui, c'est pour être un petit légitime.
Toute rêve, c'était pour tout colter blanc, même la papale. Mais malheureusement, la nature a décidé autrement. Malheureusement, la nature a décidé autrement. Maintenant, puisqu'elle n'a pas jeune, il est obligé à le vendre, il est obligé parce qu'il était, c'est rêve, il n'est pas dans, il pas dans haïtien même, il pas dans africain, dit tout, il pas dans maman même. Et maman, lui, même, c'était esclavité, maman, lui, même, c'était africain, bon, ça, il pas d'accord, il pas là-dedans, dit tout, il pas voulu dit tout. Mon pito, li pito accroché là avec ti valeur aussi, et papa, li plutôt qu'un bêti ba, et papa, même les papa blanc, on a dit lui, mais en tout cas, li plus sa bat pour l'ouest, il assemble à papa. Même les papa pas fini en garde, parce que c'est même traitement, oui, on comprend game dans tout, c'est même traitement qui existe dans la colonie, c'est même traitement, oui, on toujours baille en France, on mettant des mille lati au Liban, c'est là en Haïti, c'est en Haïti, on a fait, les rives en France, c'est pas pour patate, non, c'est le petit haïtien, le petit nègre. Blanc français a pas perdu du temps. Quand les français a gagné temps pour le au Milan. Parce que t'aimes donc ces bagailles. Y'en a un bagaille nous apprendre, nous oublier. Le français pas carré les l'autre la Milan. Il pas à l'aise pour le au Milan. Bon blanc français a pas à l'aise pour le au Milan ou bien métis. Parce que une grande différence entre Milan et métis. Alors, là, grand pile dans nous qui pas comprendre. Il y a une grande différence entre Milan et métis. Métis, yo vin on moun vin métis, pa yon ak voulu. Par exemple, les métis, pa gen esclave, yon métis, c'est des on milat, on blanc qui décide de marier à un noir et puis qu'automatiquement yo fait petite son petit métis. Parce que pa gen esclavage, pa gen acte de violence, pa gen choc psychologique, non, c'est bagay qui fait dans consentement soit ti moun sa le soti yore le métis. Mais mi lat la camarade, son l'autre problème lié. Mi lat la, c'est force qui te fait, yo fait violence, yo konye moun da son objet ou te konye, c'est pas yon moun yo te konye, c'est pas yon et ime yo te konye, ou soti, crise totale nan bobot mi lat la, parce que this is the shit, et mi lat la li même en quelque sorte, le métis, li senti le mien, mais pas papal. Li pa gon folie pour papa le remen. Parce que c'est papa qui accepte qui marié à madame qui noir et puis lui fait petite, li remen petite, li c'est le bêtis, c'est métis, le petit métis, c'est ça là. Li jwenn l'amour papa. Mais Milat la li même li pa jwenn ça. Nan colonie li pa jwenn ça. Colon pa remen Milat la parce que quelque sorte Milat la te yon constitué un vieux bagage pour par rapport avec l'église catholique. Milat la te constitué un obstacle pour bonne messe. Pour bonne messe, colon, c'est ça que fait, l'eau est colon, l'eau est français, Agathe Milat, là, il para à l'aise pour l'ennemi, là. Parce que lui, blanc français, de vieux messe, il était gagné, qu'on y est esclave, qu'on y est bonne, dis de chef. Il para à l'aise pour l'ennemi, l'autre, là, métis, il fait le changer, comment c'est un violet, il était qu'on a abusé. Ah, le tout problème, racine psychologique, tout problème qu'il a. Les blancs gardent mis la taille, vini mis l'autre bon mis la taille. Blanc pas à l'aise, non? Blanc pas à l'aise pour les mis la. Et à chaque fois, lui, mis la taille, lui, disons, mis la taille. Blanc est problème. Blanc pas à l'aise, non, Paul? Parce que lui, maille, vieux séquelle psychologique, il aurait pas être. Blanc changer comment, ça fait changer comment t'es ni, comment t'es un blanc qui t'es animal. Cap marché coin, cap violé mesdames et esclavio et négresio. Ouais, bagala pas fin trop belle vous nèg dans l'esprit. Et on y a les nèg va venir comprendre, les nèg plus à l'aise. Blanc ça fait blanc c'est ça plus à l'aise pour les mille latlan et haïtien. Ouais, les doigts haïtien plutôt. Oui, ou mettre mille lat jeter, ou mettre mille lat pas de plus paraître les blancs belo haïtien. Blanc français relo haïtien. Pas de mentir ça. Pas de mentir ça, non? Dis-le l'eau haïtien. Dégagez au gonial. Parce que, il connaît qui ça qui cachait des milates là. Il connaît qui ça qui cachait des mots milates là. Dans l'inconscient, il connaît ça qui cachait dans l'inconscient collectif de la France, il connaît ça qui cachait des milates là. Et là, dit milates, tout ça, on te refoulé, c'est action criminelle, n'est-ce que t'es qu'on pose dans la colonie, Konye esclavio, viole esclavio, roman, c'est, this is the shit.
N'est-ce pas vous voulez, parce que le pays des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme et du citoyen, le pays qui a inventé ceci, cela, il n'y a pas qu'à venir pour l'égalité, liberté, l'égalité, fraternité, le pays, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou pas qu'à venir à pays, ça pour venir avec question, mais là, la fait, il changer, dans qui état, il était cochon, il était sauvage, il était bête, il était bouite, dans qui niveau, français a été écolo, français a été sale, il n'y a pas à venir, bagage, là. Parce que lui fait, il changer niveau animal, niveau cochon, il était bien là, il n'y a pas à venir. Mais vous connaissez, Milata lui-même, puisque papa a toujours mettre le décoté. Parce que papa a besoin de paraître. Papa a son petit coin, hein? Son petit viol, il était fait, il n'a pas vu viol là paraître dans la société. Hein? Parce que il était fait bonne figure, vous voyez, monde de bien, vous voyez, l'église catholique a prié dans la mer chaque jour. Comment faire qu'un bébé esclave là, ou péter mondial, ou coin, ou crever, ou violer, ou fond mondial jusqu'à ce qu'elle grosse. This is the shit. Et au gamin madame a pompon rouge, pompon noir, mais l'on gagne plus le bondage de pompon rouge, le pompon rouge et pompon noir, c'est comme ça colon, il dit qu'on marchait avec colonnaise, yo. Colon, yo, le colon et les colonnaises, c'est comme ça qu'on marchait, tu, pour aller l'église. Comment on pourrait le faire, dit mon prêtre, j'ai péché. Comment on pourrait le faire, dit mon prêtre, j'ai péché, j'ai crevé le bobote de la négresse, j'ai crevé le bobote de l'esclave. Comment on pourrait le dire ça? Avez dit, ou pas de cacon, ou pas de cacon, ou son animal, et pour proposer du civilisé, le chita, ou fume une cigarette, gros bagarre, ou dans le bouchou, ou, ouais, écoutez, on parle de l'éclat, la révolution française, la France, en 1789, a fait la révolution française, il faut comprendre que la révolution, le grand philosophe des Lumières, et puis, ceci, cela, et puis, le tasse de thé, beaucoup tôt, mais, et putain, son cas déjà, quoi, ouais, le cas déjà, qu'est, yon violet, donc assassin et puis là mais vous parlez ça bon parce que si ça te fait vous calmez l'église catholique je dévoile l'église catholique pas seulement là pour esclaves non l'église catholique là pour colons et tout de quoi les colons ils font faire caca ils font crever mouda esclaves pour colons ils allemand des pères pardon mon cher mon père. Et au colon, on paraît là, parce que dimanche à la messe, colon, on pas paraît. Il fin crevé mouda, esclave là. Négresse là, la proposé esclave là, c'est négresse. Mais le remet pile mouda, esclave là, le remet bobote esclave là, fait ton genre sec. Il remet la convoité bobote esclave là, mais son esclave. Non, ils sont esclaves. Mais bobote esclave ça, pile mouda, esclave ça, monsieur pas qu'à gembe. Monsieur Kevin propose, il parle de négresse, I don't like négresse, il parle de femmes, non, mais bobot là, il oublie si bobot là noir, il a fouillé aux zones dans le bobot là, il oublie si bobot là négresse, il oublie si bobot là esclave. Il est dans les chats. Mais c'est les animaux là montés, les sans animaux là montés, les sans cochons montés blancs, ça, qui se veut civiliser. Le blanc, le colon blanc se veut civilisé, il paraît pour montrer la société qu'il est civilisé, mais là, ouais, Boal dit, il besoin fouer l'amour d'un esclave, là, qu'on a oublié si Dieu était là, l'oublié s'il était catholique, l'oublié s'il était prêtre, s'il gagne ceci, c'est là, parce que Boal dit, c'est bien, mais qu'on sait plus le monde d'un esclave, là, passé là, négresse là, il pas besoin qu'on ait ni en haut, ni en bas, et puis il plante bobot, il plante mouda l'amour d'un esclave, là. Pote mouda l'amouda esclava, il s'entendait là, et puis là, l'église catholique était là, pour dire mon enfant, ne t'inquiète pas. L'église catholique est prête, et puis s'entendait là, au cours de la semaine, là, les consciences l'y a bouleversé, l'y péché contre le Seigneur, l'y péché contre le Seigneur Jésus, parce que l'y crevait bobote esclave là, l'y crevait bobote esclave là, l'y sentit l'y péché contre le Seigneur Jésus, et oui, l'y commet adultère sur madame ni, on voit du flambé mouda bobote esclave là, qu'on a levé, et puis qu'on a sauté dehors. L'église catholique t'a gagné job li pour ça, et puis, l'y levé avant la ruse, et puis, l'a confessé. Et écoutez, mon père dit, qui s'en fait là? Dernier, mon père a dit, dernier esclave ou t'a gagné, vous pas venir dire, dernier esclave ou t'a gagné, on pété bobote li, qu'on y a vint pour l'autre esclave pour aller crever mouda, donc on pas venir dire, c'est pour péché, c'est retourné. Il dit, mon frère, qu'on est la chair est faible. Mon père, la chair est faible. C'est Jésus qui a aidé. Sortim là, mon père dit, sortim là, c'est Jésus qui t'a aidé, mon père, parce que la chair est faible.
À chaque fois, m'gade pile bunda, esclave, ça, me connaît, m'a pas comprendre comment bon Dieu fait là, que tout pile bunda, ça, dans mon don esclave. M'ta remé, c'est madame, m'ta gen pile bunda, ça, mais pile bunda, esclave, ça, mon prêtre, m'a pas besoin d'où, je ne peux pas résister. Ah, mon père a dit le péché, mon père a dit m'ta tout ça déjà, oui. Cette fois-ci, le péché a pas qu'à pardonner aussi facile. Il dit, mon père, écoutez, j'ai une parcelle de terre, j'ai une parcelle de terre par derrière la maison, et vous pouvez l'acquérir, vous pouvez passer me visiter. J'ai besoin de l'abdication, j'ai besoin d'être pardonné. Mon père dit, ah bon, écoutez, maintenant, vous savez, question l'évangile là, parce que Jésus m'était venu pour que Jésus pour déjà, Jésus dit, prochaine fois, faut ballon parcelle de terre. Il dit, ah bon, gon morceau de terre qui est là, mais mon père, t'as convoité tes bouts de terre, ça a longtemps. Bon, bout de terre, mon père a te gen, de tête, nèg la te gen, mon père, monsieur t'a convoité, mon père t'a convoité longtemps, il dit oui, écoutez. Mon père va ni m'bagay aucun problème à vous, bagay ça. Et puis, il dit, mon père m'a passé pour tes papiers, mon père dit, ok, nous mettez confession sous stand-by. Nous mettez confession sous stand-by demain si Dieu veut, venez avec papier et puis m'a fait suivi conception confession pour auprès de Jésus pour Jésus pardonner péché. Mais pour l'instant péché à sous stand-by. Péché à sous stand-by, l'on vient avec papier terre et puis qu'on y a m'a dit Jésus ou vient avec papier terre et puis automatiquement et puis qu'on y a m'a parlé à Jésus pour et puis ou a abdiqué. Et puis, qu'on y a monsieur Vini, et puis, là, monsieur Vini, monsieur Tourné, qu'on y a monsieur Raï, qu'on y a monsieur Vagaway Dame, non, qu'on y a Vagaway Esclave, là, on dit, dans le cas, là, il va quand même, on y a, donc, Esclave, ça vient gosse. Mais gosse, pile, bunda, Esclave, là, bobot, li, Raï, vente, li, ak, gossi, non, non, comment c'est qu'il y a un problème en dedans, parce que qu'on y a, ligue, madame, ni, bral, Vini, c'est si, c'est là, qu'on y a, faut le dégager, lui, faut le chercher un vieux nègre, lui, marié, avec, bah, là, problème, non, ça, faut le chercher, un nègre pour le marier, parce que madame, ni, t'es en France, madame, ni, bral, Vini. Madame Colonté en France, madame Nibalvini. Madame Nibalvini, parce que avec ses petits-enfants, ses fils et sa fille Bralvini dans la maison, maintenant bonne et esclave la grosse, qu'on y a avant esclave la pas avec lui, qu'on y a folle mariée esclave la avant madame Nibalvini. Qu'on y a cherché, on l'a vu esclave nègre, lui marié avec femme là. Au moins, il dit un tel, marié avec, c'est nous mettez nous marié. Et puis, le marié, qu'on y a, les petits mouns n'ont sorti, pas les mentir dans ça. Les petits mouns n'ont sorti, les regardés, ouais, peut-être petits mouns n'ont, on l'a coulé. Les nègres la gardé, il dit, oh. Il dit, esclave, lui marié avec la dit, n'a qui caca m'bon là, a pas peut-être petits mouns n'ont clé, a pas mondial clé, a pas, il va sembler avec nous, a pas tête, c'est ça, les milates, la milatate, c'est son source de problèmes, milatate, pour les foyers. Le petit milat était une source de problème pour les foyers. Parce que grand foyer colon, c'est un foyer droit, pur, saint, devant Jésus-Christ, ceci, cela, la belle blanche, la blanche et les petits enfants blancs, les blanches. Mais le petit milat, depuis le fini, en dedans d'un colonial, pas de problème. C'est milat qui t'est révélé que, c'est milat qui t'est révélateur que colon, yo pas trop droit, pas trop catholique. 100. Que colon, yo, c'était pervers, yo, zozo, pas de jambes, dans le monde, yo, yo propose, yo, this is the shit. À chaque fois, milat, yo, on a voulu me dire, à chaque fois, n'est-ce que, ouais, milat, yo. Pourquoi ça, on t'est qu'on voit milat, yo, à l'étudier en français, yo? On t'a dit, regardez. Pourquoi ça, milat, blanc, yo, t'es qu'on colon, blanc, yo, t'es qu'on voit milat, yo, à l'étudier en France. Les petits mouns n'ont fait yo, pour nous, parce qu'à chaque fois, n'est-ce que, gars, petits mouns, yo, lui, mine, n'est-ce yo, que, n'est-ce pas sérieux. Hein? Que n'est-ce pas sérieux? Question d'alblo fait, oui. Que milat, c'est blanc, yo, c'est blo fait, yo, et bois, yo, nan mouda, yo, pas vraiment, yo, propose, yo, raciste, bullshit. I don't like black people. M'ba remé noir, ceci, cela, mais zozo, yo, nan mouda, yo, remé noir, yo, this is problem, parce que gon, pendant, ap di les pou, pas remé, mais gon, parti nan mouda, qui remé noir. Parce que les zozo, ap fouye nan mouda, noir, ça, black, ça, négresse, ça, esclave, ça, pile mouda, ça, oubliez si le noir, oubliez si l'esclave, oubliez, parce que, j'l'ont tiré bois ça douce. Ton est voulu, qu'on y a confusion dans tête tout. Qu'on y a posé tête une question, comment faire raciste? Comment faire raciste? A poser tête une question. Ou pas qu'à comprendre comment faire raciste? Comment faire raciste? Parce que pour Jean ouais bobot négresse ça douce ça petit. Parce que bobot pile monde dans négresse ça plein, m'a besoin d'où, mais gosse pile monde dans négresse ça ouais. On pousse les bras. Et lui, là, on va. So, on dit, check, comment faire raciste? Bon problème, quelque part. Brain ou pas qu'à fonctionner, parce que,
gon confusion la caillou ou pas qu'on ka résoudre crise nan zozo dou fout négresse la bra l'esprit dit non ou raciste ou kaka l'esprit dou oh non monsieur raciste non l'esprit blanc blanc dit monsieur raciste m'pa vle wè noir c'est esclave lié ceci cela et puis les et puis con ah ouais écoute ça depuis le fait nuit pas de couleur non parce que depuis le fait noir pas ni blanc ni noir. C'est Zozo qui a tiré dans toute partie dans la cale. Ni blanc, ni noir. Coq qui a tiré. Début fait noir. Tout le monde blanc, tout le monde noir, tout le monde gris, tout le monde jaune. On va la nuit, tous les chats sont gris. C'est ça qui fait à la tombée, au coucher du soleil, tout le monde pas ni blanc, pas ni noir. Pas raciste au coucher du soleil. Tout le monde a pas bois. Bois, coq a tiré tout partout. Confusion totale. As des chats. On a le petit monde ça fait. 6 000 ans, ça vous dit. Les gens gros fado sous dol. Papa le parle, ouais. Parce que la prime, il papa le lit. Que c'est un vacabonie. Que c'est un violet lié. C'est ça. Maman tout. Qui remène, il n'y a pas qu'à identifier à maman, parce que maman esclave. Confusion tout dans le monde à 6 000 ans là. 6 000 ans là, par contre, côté, vous le campez. Il est en crise. Papa le parle, ouais. Parce que papa le dit, chaque fois papa le dit, 6 000 ans là, il dit, oui, monsieur, qu'il pas un bon chrétien. Lui m'a initié que lui fait misé songer qu'il pas un bon chrétien, pas un bon catholique. Jean catholique m'a dit pour le droit là, il va droit comme ça parce que monsieur était con et esclave là. Chier, chaque fois qu'on l'a mis là, le timide là, il dit chier. Le bois dans mon d'amour qui fait me con et minat là, qui fait moi, lui fait changer tinégresse là. Problème. Et problème qui gagne, c'est que les tinégresse ça fin fait petit là, les tinégresse ça vient les vins pire en forme de jour. Non, à bataille! Gon bataille nan kay sa tentation tout partout. Satan nan kay la, Satan chita, la les chaises li chita de nan kay la. Faut prêt la vini bin met Satan de, c'est Satan chita sous dozozo bakabon. Satan chita sous dozozo modofoke ya. C'est modofoke, a pil bunda sa. Ba la nan. Faut prêt la vini dans l'église pour venir chercher Satan sous dozozo modofoke ya, avec sous pil bunda esclave la. C'est Jean bakala rende nan kay la. Problème. Ouais, j'ai obligé prendre 6 000 à trouver en France. Et qu'on a game dans des. Ouais. Et comme ça. Ouais. Les nègres noirs, li, même, ils ont marié là avec femme, t'es déjà gosse. Les nègres noirs, regardez, li, ouais, 1000 li, ouais, son petit petit rouge qui sortit. Nègres là, dit, moi, même, toute peau, moudame noire. Nègres là, sont esclaves, li, dit, toute peau, moudame moi, toute peau, tête, noire, toute peau d'aime, non, m'a raconté que j'ai un petit bagage qui sort une bombe non. Ti bagay multicolore sur pote bon mwen la m'a konn kote sodi avèk. Non? Eh! Et la voix c'est un égaré, c'est nèg la égaré, nèg la va égaré. Esclave nèg yo pa égaré. Vous voyez, les blancs fin pété moun da esclave noir. Non? Les blancs fin pété moun da esclave nan, mais esclave nan gèlè sou on mwa lui gauche. Esclave blanc pa, colon blanc pa di pran noir. Li pou cherche un esclave noir, marié avec nèg la, li marié avec femme nan. On a sorti des belles mariages faits et puis bah les nègres la garde avant moi lui ouais votre femme n'a poussé mais la main des têtes yo des coups de coupe me fait ouais des coups de coupe me font être en grosse elle là oui problème de comment c'est venu après avoir vu des nègres là sont nègres qui irresponsables non nègres pas irresponsables bien deux raisons pour nègres là ils pas irresponsables nègres pas irresponsables parce que écoutez ouais les gars venus ils veulent garder le petit mouna les garder le gros ok oh il là les garder le petit mouna sorti. A fait nègre vin méfiant comme ça, nègre vin méfiant. C'est là où yon vin avec Mobouzien. C'est là Mobouzien commence à prendre racine. C'est dans la colonie, Mobouzien commence à prendre racine. Et nègre va comprendre réalité. Nègre va comprendre réalité. Et Naël Rabouin, l'on dit femme laide, yon toujours douce là. Yon entend pas femme laide, bleu. On parle de négresse, on dit femme lettre toujours douce. On fait très attention à l'engagement, on va la voir. Parce que faut me faire philosophie esthétique à vous. On va parler de négresse, on dit femme lettre. You need? Nope. Même l'ordre de ma fait la voir. Pas une femme qui l'aide, non, mais. You need to stop this bullshit. Avec des philosophiquement beaucoup solides.
plutôt dit zozo, plutôt dit coco. On pas respecte, on pas fait philosophie, on pas parler de leader ni de beauté. Parce que la philosophie esthétique, c'est un bagage tête chargée. On pas même répéter vie bêtise mon abdou que la beauté est relative. On pas même entrer dans bagage ça va avoir. Je fais très attention. Pas une femme qui l'aide, ça va exister. Ça va exister nulle part. Et parce que c'est un problème de forme lié. Un problème de forme. Parce que en réalité, c'est une doctrine, c'est un enseignement. Ok? C'est une doctrine, c'est un enseignement lié. Il faut faire très attention à ça. Ouais, m'dou ça, as a friend. M'dou ça parce qu'on balaye moi, il faut faire très attention à ça. Ouais, sous-suis moins bien, j'aime poser problème yo. M'poser problème yo, très philosophique. De façon à ce que, pour pas tomber dans une série de dérives. Ouais. Une série de dérives pour pas tomber là-dedans. C'est ça que fait m'dou, toujours dit nous, ça faut nous très méthodique. Pas une femme l'aide. Par mon créatif, bon Dieu, créé l'idée. Un monde qui a subi ce qu'on appelle une déformation. Non. Pas un monde qui l'aide. Une déformation et lui fait partie de l'architecture. Mon nom. You know, un homme. L'or dit on moun l'aide, ou projeter conscience sous moun. Ou projeter conscience sous moun. Voyez, ou entre dans une dynamique de stigmatisation, et l'or fait ça, ou attaquer personnalité moun en quelque sorte, soit répéter ça en plus, ou réduit, ou attaquer dignité humaine moun. C'est-à-dire que ou pas arriver à transcender la forme pour aller chercher l'essence. En fait, en quelque sorte, l'esprit ou arrêté à la forme. Mais pas oublier la forme toujours manifestée sous différentes. La forme fait toujours l'objet. Et c'est ça où confondre l'objet phénoménal avec l'objet réel. Ceci étant dit, faut entrer, faut toujours aller pas derrière. Vous comprenez, oui? Pas de problème, Naël, vous comprenez, juste, et pas vous seulement qui fait ça, vous comprenez, le monde fait ça, vous comprenez. So, parce que, beauté relative, gagner des femmes ou gagner un amour, aux yeux de moun, il paraît laide. Aux yeux de moun, ou est laide. Gagner des femmes ou gagner un amour. Mais qualité, femme, ça. La qualité, la beauté, personnalité, femme ça, c'est un bagage extraordinaire. Il y a des femmes qui ont un caille. Aux yeux, tout le monde sont femmes qui l'aident. Mais femme ça, les foyers fleurissent. Foyer, monde ça fleurit parce que cette femme ça, son femme vertueuse, lui apporte de la valeur à la maison. Et il y a un bagage pour nous apprendre qu'on est, c'est juste une question de perception. Et c'est un plus grand problème nous gagner, nous victimes. Ou pas besoin au monde peut-être les beau ou bien peut-être les belle, ou besoin au monde dans vie que ou à l'aise avec. Ce que je veux dire par là. Ou pas qu'à pour au monde parce qu'il est beau, parce qu'il est belle. Ça est relatif, il est appelé à disparaître. N'importe petit accident, c'est ces formes qui ont déformé, c'est ça fait les formes. C'est les cas déformés et puis déformer perception gagne des lits tout changer des fois ou pas qu'à prendre des décisions sérieuses based on forme sur l'apparence sur ce qui apparaît sur les phénomènes sur l'objet phénomène ou pas qu'à prendre des décisions sérieuses faut une capacité pour transcender la forme pour aller au-delà de la forme pour aller chercher des qualités essentielles inhérentes à la personne
Ceci étant dit, il y a des gens, il y a des femmes qui gagnent la caille, ou pas chercher femme là parce qu'elle est belle. Ou besoin de femme qui portait la vie. Non, même. Il y a des femmes qui gagnent qui belle, donc qui soit disant belle dans la perception. En dedans son animal, ou pas gagner vie en dedans, pas gagner rien. Mais il y a des femmes tout, ou gagner. Ok, c'est pas être chargé. Ou bon, garçon, il y a des garçons, frère, ou gagner madame ou même. Gagner madame, madame ou pas obligé, belle gens, moun mande, gens société à vendre ou beauté à non. Pendant ce temps, ou pas qu'à passer une seconde pour parler à la caillou non. Ou pas comprendre, la caillou n'est que si on va être chargé, la maison est sacrée. Si on est allé dans le travail, 4 heures pour arriver, ou on est pas envie d'entrer la caillou, il y a un problème quelque part. Si on est sorti la caillou à 8 heures du matin, les 4 heures de l'après-midi, on n'est pas envie d'entrer la caillou après le travail, il y a un problème à la maison. Et m'a dit nous ça sincèrement, il y a une façon pour détecter si on a un problème la caillou. C'est là le fin de travail à 8h du matin pour arriver 8h du soir pour arriver 4h après-midi et puis le gars de nèg ça c'est non bar l'aller là le bruit ou bien le gars de nèg là passer non barber shop là le blague au lieu là la cali c'est que la cali gros problème parce qu'en réalité le fin de travail normalement c'est entrer à la maison les la vie la cali c'est gros c'est entrer à la maison. Parce qu'en réalité, l'entrée à la maison, c'est la vie qui entre. Ah oui, elle a entré la caille. L'autre entrée la caille, c'est la vie. L'autre ouvre porte la caille, l'autre entrée, c'est la vie. Il y a un welcome, il y a un bienvenue. Si mon accour y vient, je nous, c'est la vie. Faut toujours prêt pour accueillir, oui, l'autre entrée à la maison. C'est la joie, c'est paradis. C'est l'accueil. Tout le monde a content. Si vous n'avez pas couru, a vu à Kéyou, petit qui a couru, vu à Kéyou. C'est là, c'est la vie. Mais si on rencontre non, Kay, son silence amer, si mutier, pas de monde, la vie est en bas, ou pas de Kay, non? You fucking block. You don't have a home. Ou gon block. Ou gon paquet pile block. You don't have a home. Ou pas de foyer. Parce qu'on pas qu'à rentrer la caillou pour gagner la vie. Ou pas qu'à ouvrir porte là. Ou pas qu'à ouvrir porte là. D'ailleurs, moun la caillou supposé qu'on l'ait à rentrer. Depuis c'est papa qui a rentré, ti moun yo supposé qu'on papa a rentré à 4 heures. Ti moun yo de gete konnen, ça c'est papa depuis porte là ouvri. Pou à 4 heures gete konnen c'est daddy, c'est papa. Papa yo couri quitter chambre, yo couri quitter qui ça ou t'a fait. Et puis pour yon courir vin genou devant porte de madame nan vin accueillou, c'est la belle vie. Ça, c'est la vie. Ah, la vie. Un jita la vie, n'entre ou entre en dedans, kay. Entre ou entre ouvri porte. Et pour entre en dedans, on prend de get a trap ou debi nan porte. Entre en porte. A gen, vous tête en bas, nan kay la, ou nan kay. Ça, on l'enfer ou entre dou. Et nan l'enfer, c'est un bout de mi. Ou just but me rendez dans car la vie ou fini ou en foyer vu tête en bas ou coucher sur un cabane comme sur l'eau là. Ah, comme sur l'eau là. Il y a des gars couché en dedans la galerie, dans les boules mais comme il là là. Et là venu ah, belle bagarre, ou l'chita va regarder. Bon, ou que madame ou chita va regarder télévision madame ou. Ou pas besoin de grand TV, ou pas besoin de movie theater en dedans la galerie. C'est la famille oui qui chita son coach. Le chita son coach et puis tout le monde chita a regardé TV. C'est quoi que vous avez a belle blague. C'est foyer, Elisa. C'est ça le foyer, c'est ça le home. C'est la timouna et puis jeune valeur. C'est la timouna grandi, jeune concon familial. Timouna a apprendre sens à la vie. Bon. Belle bagarre au chita, a regardé TV. Qui pi belle show qui gagne. Bon. Je dis, hein, c'est chaud, nous allons regarder tel show, dans Netflix, madame n'a guette en courir, on va 2 heures de temps, nous allons passer, après ça, tout si mon a couché, et puis c'est la belle vie de madame. Eh ben,
Gagne c'est pourquoi j'aime faire ça non. Gagne c'est pourquoi j'aime prendre madame yo petite yo pour lever pour voyager. On paye gain 50 states là dedans. Fucking 50 states. Yo bon, plus passer 50 states pour voyager. Comme si pour quand ou esclave ou travail ou pas, j'aime prendre madame ou petite tout ou mettez le dans machine et pour lever ou partir avec. Non mais c'est fucking esclave ou yedou. Comme si même un week-end ou pas dit chérie, what the fuck, pat, timounio pour pas bait, pour bait timounio le sens, pour permettre timounio comprendre pour yo, ça veut dire voyager, découvrir d'autres cultures, pour permettre timounio mettre dans machine. Pour timounio vin chita, pour y aller et puis pour timounio pose une question, daddy, look, daddy, timounio, vrai, pour timounio senti que li accompagne ou après, timounio ferme nos côtés, celle ça le connaît, c'est côté lié. What kind of nonsense is that? Et puis nous besoin nous éclairer, nous États-Unis, nous n'en grand ceci. Ça t'a voulu nous, ou pas foutre États-Unis? Nèg la chita non foyer, nèg la chita non corner, non quartier avec un petit moun chaque jour, petit moun madame, et ou pas j'aime voyager, ou pas j'aime sortir, ou pas j'aime aller pièce côté, ou pas j'aime faire, ça veut dire. Et pour gagner une résidence dans mon dos, ou citizen, ou chita quand on d'un imbécile, travaille tant qu'on bête, construit car en Haïti pendant ce temps de quality of life, ou pas gagner? The fucking quality of life you don't have it. Elle a tout problème dans Eli. Elle a tout problème dans. Tout ça c'est problème philosophique, oui. Tout ça c'est problème philosophique, oui. Tout ces problèmes philosophiques. The quality of life. De pour pas gagner bon quality of life. C'est normal. Pour malade. Ou pas qu'à vivre bien. Parce que the quality of life. Vie ou bien elle pas bon. Qualité vie elle pas bon. Il est toxique. Après, regardez, il vient tourner source de toute l'autre maladie. Tension, cancer, sick, ceci, c'est là. Allez, on va vivre bien. On va vivre bien. Nous venons arriver non point. Nous venons arriver non point. Nous venons arriver non point. Nous venons. Comment vous avez expliqué ça? Nous venons. C'est comme si nous ne pas vivre. Mais nous juste exister. La vie, c'est plus beau. C'est ça que tout le monde va comprendre la différence entre l'existence et la vie. La vie, c'est plus belle bagaille qui te gagne. Ça fait des gens qui ne peuvent pas vivre, ils existent. Ou pas. Animaux, en quelque sorte, sous animaux bien. Puis gros souci yon animaux gen, yon bête gen, c'est le fait que on l'autre bête pas manger. Et puis gros souci yon bête gen. Li pa vle tourner on manger, on pourra pour le but. Mais gardez bête la boue. Gardez bête la boue. Bête la pas existé seulement. Bête la vive. Et c'est un des plus grands problèmes qui vient. Bête là pas existé seulement. Bête là à vivre. Regardez bête yo boue. Parce que bête là vive en conformité avec la vie. C'est ce qu'est la vie. Un, c'est la liberté. Premier principe fondamental pour la vie, c'est la liberté. C'est après, debout pour un bête ou mettez l'on zou, c'est plus gros mal ou de café. Debout pour un bête ou mettez l'on cage, c'est plus gros mal ou de café. Parce que, lui doit vivre en harmonie avec la nature. De la vie. Faut le ka courir, faut l'alaise, faut le partir, faut le ka voler, faut le vivre, c'est ça, la vie. C'est l'énergie vitale de la kali qui permet de à fonctionner comme ça. Mais, à remarquer, à un certain niveau, ou pas ils ont toujours regroupé en pack. Lion en pack.
Il y a un pack. Vous comprenez? C'est la famille. Le concon. Les ap déplacés, les déplacés. Ensemble. C'est ça. La nature a pensé, n'y énoncé des bagages qui nous pas comprendre. Yon n'a pas de bagages qui gagne. L'ennemi. Tout bête. C'est la solitude et cavalier seul. Pas une bête qui aime faire cavalier seul. Gardez fou, mi boue. Gardez tous les animaux. Vie au prend sens qu'elle est au nambou. Et laisse, et comme ça, il y a pas qu'à courir, dire, yo pas social. Non! Zanimo a un instinct même de famille. Il y a un instinct de guerre. Il y a un instinct côté pour le entre lui-même. Mais nous-mêmes, nous détruisons ça. Nous détruisons ça tellement, nous la tête, nous nous individualisons avec. Hein? Nous la tête, nous individualisons avec. Nous vînons égoïstes. En dedans famille, là, il y a compétition. Nèg la nan compétition à madame, madame nan compétition à mari, ti moun yo nan compétition, pa gen vie. Tout moun nan en, comme si nous vin tout nou sous d'ennemi, nous créer propre ennemi nou en dedans nou. C'est tout problème dans ça. Nous en réalité. Bon, et pas nous même seulement, nous son problème humain, c'est un problème humain parce que c'est l'homme. Amen. Non, faut comprendre ça. Faut comprendre ça. Hello, guys. M'a continué avec nous demain avec séquence. Séquence ça, vous voyez? M'a continué avec nous séquence ça. Et, vous voyez? So, pour traiter le récit, en quelque sorte, du nègre haïtien. En comparaison avec, bien entendu, le récit du nez du mulâtre haïtien, ici au Libanais haïtien. Maintenant, ceci est vrai que, moi, dis-nous merci du fait que nous toujours là, nous t'ai accepté, nous t'ai répondu avec invitation. Ça, au fond, dis-nous tout. Il y a plus de monde qui pensait que c'est comme ça m'aurait été me fait la vie. Non. Mwen pil recherche, you know, il m'a dit pil recherche. La femme d'ailleurs m'a apprécié ça tout parce que mwen pil recherche, you know, mwen li en pil recherche, surtout sur des thématiques qui en quelque sorte pas aussi facile. Et puis mais si regardez dans qui mesure capable break you down pour nous, mwen. Et puis mais si utiliser des méthodologies qui intéressant. Pas oublier tout, et nous avons plusieurs monde qui déjà commencé à inscrire, qui étaient relés pour inscription dans l'école là. Pas oublier inscription l'école là, oui. Ou même qui t'a rien, mais enrichi connaissance en philosophie. Qui t'a rien, mais enrichi connaissance en sciences sociales et humaines. Ou t'a rien, mais une perspective en matière de métaphysique approfondie connaissance. Ou pas besoin d'un gros diplôme, gros ceci, gros cela. En bas, nous même, élèves, moi, yokabo. Et le vasseur m'a pris l'eau après l'infini, So, élève moi, yo kabo, témoignage. So, basically, nous, inscription ouvri, inscription a fini dans 31 novembre, et classe a commencé début mois de décembre, ok, et nouvelle session. So, basically, si vous avez même venu approfondir connaissance en matière de, la question philosophie, pour comprendre, question de méthode, vous comprenez? Faut noter, m'a continué avec question colonisation hier, demain si Dieu veut, pour me permettre de nous comprendre li. Puis bien, vous comprenez? So, moi, mais nous en pile, m'a fait tout ça que n'est possible pour me permettre, pour me dispenser, sans qu'à dispenser, hein, vous comprenez? Et oui, on a fait théologie tout. Oui, on a fait théologie, on a fait
nous faisons pile nous enseigner, nous avons une formation pluridisciplinaire. Nous avons nous évaluer tout le monde vient, nous pas nous pas utiliser méthode classique ni pédagogie classique. Nous fait ça, nous fait où on prend ça et nous pas charger en pile tout. On prend ça, nous juste demander une participation pour par session qui pas en pile, so, selon moyen. On prend et puis non là, so et sous ta rien mais écris moi sur Messenger et puis m'a répond nous et puis m'a envoyé formulaire d'inscription vous et puis comme ça on a fait suivi. I love you guys, Kimbi là pas découragé, you know, pas découragé, remettez tout, remettez Dieu, remettez tout et puis toujours inscrivez tout dans dynamique pour capable vivre normal, vivre bien. Épanoui et tout. OK, so et bien m'a pas profiter pour me dire nous ça. Et c'est un bagage important pour tout le monde et pour nous capable mettre tête ensemble pour nous pas décourager. OK? Kimbi là, pas décourager. Et OK. Ciao, passez bon après-midi. Love you guys.